Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre frère? Alléluia. Dans la présence de Dieu, il n'y a que la joie. Je voulais dire à quelqu'un, dans la présence de Dieu, il n'y a que de la joie. Alléluia. Alléluia. Quels que soient les coups de l'ennemi, quels que soient les coups qu'il veut donner, les coups qu'il pourra donner, il n'y a que de la joie. Parce que ces coups-là ne peuvent pas être plus forts que les coups que Jésus a reçus à la croix. Et puis malgré ces coups, il s'est levé, il dit voilà, je suis ressuscité et puis je suis avec vous. Qui pourra contre vous? Alléluia. Je voudrais t'encourager ce matin à acclamer Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas accepter et puis je ne vais jamais accepter d'être dans la tristesse. Quand je suis dans la présence de Dieu, ah, tu m'as laissé venir dans la présence de Dieu. Donc tu as perdu. Je suis rentré dans sa présence. Je peux l'adorer. Je peux dire alléluia. Je peux lever le pied. Je peux lever le bras. Ah! J'ai tout gagné. Parce qu'il a bien voulu me donner la vie encore ce matin. Alors j'ai tout gagné. Alléluia, j'ai tout gagné. Donc je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Ne sois pas triste. Alléluia. Ne sois pas découragé. Ne sois pas triste. Parce que pour toi, la victoire est devant. Alléluia. Mon verset favori. Mon verset favori, Ésaïe 60, le verset 1. Lève-toi. Lève-toi. Il dit lève-toi. 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 Et fais quoi? Il dit lève-toi et fais quoi? Il dit, prie. Il n'a pas dit, bon, comme tu as mangé, lève-toi, prie. Il n'a pas dit, comme tu travailles, lève-toi, prie. Il n'a pas dit, comme tu es en bonne santé, lève-toi, prie. Il dit, lève-toi et prie. Parce que quoi? Parce que quoi? J'envoie ta lumière. La lumière arrive. La lumière arrive. Je parle à quelqu'un ce matin. La lumière arrive. Alléluia! Alléluia! La lumière là, elle arrive. Et cette lumière, elle va te trouver. Cette lumière, elle va te trouver. Mais cette lumière doit pouvoir te trouver debout. La lumière ne trouve pas ceux qui sont couchés. La lumière ne trouve pas ceux qui sont couchés. La lumière ne trouve pas ceux qui sont affaiblis. La lumière ne trouve pas ceux qui sont affectés, mais la lumière trouve ceux qui sont debout. Debout par la foi. On n'est pas debout parce qu'on a la force. Parce que, non, on est debout par la foi. Parce qu'on sait que la lumière... Alléluia! Alléluia! Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Non, mon frère. Mon frère, attends, mon frère Roland, ta chanson m'a fait du bien ce matin. Non, je suis essoufflé comme si c'était moi qui avais chanté. C'est parce que cette chanson l'a touché mon âme. Alléluia, alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je veux dire à quelqu'un, je veux le dire. Hein. Sois debout. Ne laisse pas le diable te maintenir couché. Lève-toi. Fais l'effort. Lève-toi. Avec le petit souffle que tu as, lève-toi. Avec ce petit encouragement que tu as, lève-toi. Et dis, Seigneur, je suis debout. Tu m'as dit, lève-toi. Mais tu m'as dit, lève-toi. Tu m'as dit, lève-toi. Seigneur, je suis debout. Et puis voici mes mains, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Je chante pour toi ce matin. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Oh, oh. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Yahweh, apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi.
n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident. Je parle à quelqu'un ce matin. Que viendra le secours de l'Éternel? Ah, mon frère, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident. Que viendra le secours de l'Éternel? Dis, apprends-moi, Seigneur. Même si tu ne connais pas ce chant, dis ces paroles. Seigneur, apprends-moi à compter sur toi. Parce que l'ennemi veut me détourner de toi. Et moi, je ne peux pas me détourner de toi. Je veux regarder à toi. Dis, apprends-moi. Seigneur, tu es autre. Car toi, tu car toi, c'est toi seul. C'est toi seul, Seigneur. C'est toi seul, Seigneur. Car toi, tu es autre. Je ne peux pas échouer, je ne jouerai point, Seigneur, mais je finirai la course. Il y a une prophétie sur ma vie. Est-ce que quelqu'un a une prophétie sur sa vie? Je ne peux pas échouer, je ne jouerai pas, Seigneur, mais je finirai. Est-ce que tu peux le déclarer? Il y a une prophétie sur ma vie. Non, je ne peux pas jouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Je finirai. Il y a une prophétie sur ma vie. Est-ce que quelqu'un prophétise sur sa vie ce matin? Je ne peux pas. Alors parle, alors parle. Ouvre la bouche et déclare, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas, je ne peux pas échouer. Parce que je sers le Dieu vivant. Oh, il y a une prophétie. Je ne peux pas échouer avec ce grand Dieu à mes côtés. Pas de ce mon Dieu. Je voudrais t'encourager ce matin à déclarer cette parole. Parce que tu as un grand Dieu à tes côtés.
Tu as un grand Dieu qui marche tous les jours à tes côtés. Tu as un grand Dieu qui se lève avec toi. Tu as un grand Dieu qui bouge avec toi. Tu as un grand Dieu qui fait tout avec toi. Je déclare dans ta vie ce matin que tu ne peux pas échouer. Je déclare dans ta vie que tu ne décevras pas ton Dieu, mais que tu finiras cette course, la course que tu as commencée, la course que tu as entamée. Tu l'achèveras, quels que soient les plans, quels que soient les coups, quels que soient les obstacles, tu achèveras cette course. Lève les mains avec moi ce matin et déclare: j'achèverai la course. J'achèverai la course avec Jéhovah. J'achèverai la course avec ce Dieu à mes côtés. Je sais que j'achèverai cette course. Je pourrais tomber peut-être en chemin, mais je me relèverai et j'achèverai cette course. Mandalala le chut. Mandalala le chut. Rabakaya le rabbe. Tikatatatatat. Chandalala. Chandalala. Mandalala le chut. Ah, tu l'as dit Seigneur, il y a une prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer, pas décevoir mon Dieu, je finirai. Je déclare ces paroles sur la vie de mes enfants, il y a une prophétie sur leur vie. Je le déclare, il ne peut pas échouer, pas décevoir leur Dieu, ils finiront. Est-ce que tu peux le déclarer dans la vie de tes enfants? Il y a une prophétie sur leur vie, ils ne peuvent pas échouer, pas décevoir leur Dieu. Je le déclare ce matin. Ils finiront leur... Parle ce matin. Il y a une prophétie sur leur vie. Je le déclare pour mes enfants. Ils ne peuvent pas échouer. Non, pas décevoir leur Dieu. Ils finiront leur... Je te parle ce matin. Il y a une prophétie sur ta vie. Reçois. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Pas décevoir ton Dieu. Tu finiras la course. Tu finiras ta course. Est-ce que tu le crois ce matin? Déclare, je finirai la course. Le diable est un menteur. Le diable a été vaincu il y a 2000 ans. Et j'adore un Dieu vivant. Je lève mes mains devant ce Dieu vivant. Il n'a pas, il n'aura jamais la victoire sur ma vie. Il n'aura jamais la victoire sur la vie de mes enfants. Il n'aura jamais la victoire dans mon couple. Il n'aura jamais la victoire dans mon travail. Il n'aura jamais la victoire dans ma santé. Il n'aura jamais la victoire dans mon ministère. Parce qu'il y a une prophétie sur ma vie. Je suis l'élu de Dieu. Je suis l'élu de Dieu. Il m'a choisi. Il m'a appelé de la ténèbre à son admirable lumière. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas être vaincu parce qu'il a déjà vaincu sur la croix. Pour la gloire de Dieu.
il agit puissamment pour la gloire de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu vas chanter cela ce matin? Il est là. Déclare-le, l'Esprit de Dieu, tu vas chanter à gorge déployée. L'Esprit de Dieu est là. Ce jour ne peut pas être comme les jours passés, mais ce jour-là doit être le jour du déclenchement de quelque chose de nouveau pour ma vie, quelque chose de nouveau pour ma destinée, quelque chose de nouveau pour ma vie. Alors on va le dire ensemble, on y va. L'Esprit de Dieu est là. Médecin baissé. Il est, il agit pour la gloire de Dieu, pour la. Déclare-le encore plus fort. Dis l'Esprit, l'Esprit de. Seigneur, voilà mes mains. Tu touches mes mains, tu agis parce que je sais que tu es là et tu agis puissamment pour la. On va dire l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de. Elle agit pour la gloire de Dieu. Maintenant on va le dire. Oh oui, viens, oh oui, viens, oh oui. Ressenti. Dis-lui, viens Seigneur, parce que j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne peux pas avancer si tu n'es pas là, Esprit. Je ne peux pas réussir si tu n'es pas là avec moi. Alors, ce matin, ouvre la bouche et fais cette prière. Si tu ne sens pas l'Esprit de Dieu, dis Esprit de Dieu, viens, j'ai besoin de toi. Pour cette nouvelle étape de ma vie, j'ai besoin de toi. Pour cette nouvelle étape de ma vie, j'ai besoin de toi. Seigneur, je refuse de partir si tu ne viens pas. Je refuse de partir si tu ne viens pas. Je refuse de partir si tu ne viens pas. Viens! Viens! Est-ce que tu peux crier avec moi? Viens! 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 Coupez même la musique.
Coupe la musique. Oh oui, viens, parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu. Pardon, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu n'es pas venu ici pour le bishop Timothée. Tu n'es pas venu ici pour maman Jaka. Tu n'es pas venu ici pour quelqu'un. Tu es venu pour rencontrer Jésus. Parle-lui. Arrête ta routine. Arrête ta routine. Parle à ton Dieu. Demande à Dieu de bouleverser ta vie par sa présence. Parle-lui. Nous n'allons pas nous cacher derrière la musique, mais nous allons parler à Dieu ce matin. Parle-lui. Si tu veux parler en langue, si tu veux parler avec ton intelligence, parle-lui. Parle-lui. Bouleverse ta vie, bouleverse quelque chose dans ta vie ce matin. Arrête d'être routinier. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je m'habille et puis je m'en vais à l'église m'asseoir et puis je retourne le même. Refuse ça sur ta vie. Refuse ça dans ta vie. Ce n'est pas ton partage. Ce n'est pas ton partage. Tu es venu ici avec un fardeau. Et je le sais, la plupart d'entre nous, nous venons dans la présence de Dieu avec un fardeau. Mais il faut que tu déposes ce fardeau. Refuse de retourner encore avec ce fardeau. Refuse de retourner avec ces chaînes qui sont accrochées à ta vie, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'aller de l'avant. Refuse ça. Il n'y a qu'un seul endroit. La présence de Dieu, c'est là que tu pourras déposer ce fardeau. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais si tu ne viens pas réellement à lui, si tu fais semblant, tu n'auras jamais ce repos. Parle à Jésus ce matin. Tu es fatigué, parle à Jésus. Seigneur, j'ai besoin de me reposer. Et je sais que ce n'est qu'en toi que j'aurai ce repos. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Je ne t'entends pas. Ouvre la bouche. Oh Jésus. 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 Honore la foi de quelqu'un. Jésus. Réponds à la prière de quelqu'un. Jésus, nous sommes là. Jésus, ne jouez pas. Nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Dis Jésus, Jésus. Nous sommes là, oh Jésus, Jésus.
diamant de tout mon cœur de tout mon corps. Acclame Emmanuel. Acclame et acclame bien. Acclame et acclame bien. Si c'est le Seigneur que tu acclames, acclame-le bien. Matthieu 26, 26. Matthieu 26, 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Le verset 27. Ensuite, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Matthew 26, 26 to 28. And as they were eating, Jesus took bread and blessed it, and broke it, and gave it to the disciples and said, take, eat, this is my body. And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink ye all of it, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. Alléluia. Alléluia. Jésus a rendu grâce sur le pain. Jesus thanked God for the bread. Il a pris la coupe de vin. He took the cup of wine. Il a rendu grâce. He gave thanks. Sur la coupe de vin qui représente son sang. On the cup of wine standing for his blood. Il l'a donné à ses disciples. And he gave it to his disciples. Il dit cela me représente. And he said that this stands for me. C'est le même Jésus qui a dit, and it's the same Jesus who said, je suis le pain de vie. I am the bread of life. Alléluia. Amen. Je suis le pain de vie. I am the bread of life. Celui qui mange de ce pain, whosoever eats that bread, n'aura plus jamais faim. Will never be si hungry again. Si quelqu'un croit en cette parole, if anyone on earth believes in that word, cette parole qui vient du Seigneur, the word proceeding from the mouth of the Lord, pain avec foi, and eat of this bread with faith, tu n'auras plus jamais faim. You will never be hungry again. Tu n'auras plus faim des choses de ce monde. Hungry of worldly things. Parce que tu seras rassasié de la présence de Dieu. Because you are going to be satisfied with the presence the of God. Bread of life. Tu seras rassasié de la présence de the Dieu. Presence of God. Alléluia. Alléluia. Ma prière. My prayer. C'est que ce nouveau mois dans lequel nous sommes entrés. Is that the new month we just entered. Dieu nous rassasie, toi et moi, au nom de Jésus. May God satisfy you and I in the name of Jesus. Il y a quelqu'un de vivant qui peut donner un amen vivant. Can you give an amen? Ma prière, c'est que Dieu nous rassasie de sa parole. My prayer is that the Lord satisfy us with his word. Que Dieu nous rassasie de sa présence. Satisfy us with his presence. Et de sa plénitude. And his fullness. Afin que toi et moi, nous ne soyons plus jamais vides. So that you and I will never be empty again. Que notre coupe ne soit plus vide. May our cup never be empty. Que notre vie ne soit pas vide. Our life never be empty mais again. Mais qu'en tout temps et en tout lieu. But anytime and everywhere. Nous soyons remplis de Dieu. May we be filled with God. Que nous soyons remplis de la vie Zoé de Dieu. Be filled with Zoé life. Je déclare que ce mois soit ton mois de plénitude. I declare this month be your month of fullness. Alléluia. Amen. Quand on parlera de la joie, when que we'll talk ton about cœur joy, soit rempli de la joie de Dieu. May your heart be full of joy. Quand on parlera d'amour, when they will talk about love, que tu sois rempli de l'amour de Dieu. May your heart be filled quand with on parlera the love de paix, of God. Talking about peace, que tu sois rempli de la paix de Dieu. May you be full of the peace que of ni God. Ton corps, ni ton âme, ni ton esprit, let your body, your ni spirit, ton cœur, or your heart, ne reste vide. Never be empty.
Mais que tout ce qui te concerne soit rempli de Dieu. But everything of you be filled with the presence of God. Le Seigneur nous a laissé ceci. The Lord left this to us. Je veux parler de la communion de la Sainte Cène. I'm talking about the Holy Communion. Parce qu'il y a la vie dedans. Because there is life in it. Il y a de la puissance. There is power in it. Alléluia. Amen. Quand tu viens when you come à la table du Seigneur, to the Lord's table, tu viens you come à la rencontre de la puissance de Dieu. To come and meet the power tu viens puiser of God. Dans le Seigneur. You come and fetch dans cette nourriture from, qui est le corps de Christ. In this bread that stands for the body of Christ. Alléluia. Amen. Il y a la puissance de Dieu. There is the power of God. Il y a la vie qui était en Christ quand il était sur la terre. There is life in Jesus when he was on earth. Ce corps qui était fort. This body that was strong. Qui ne s'affaiblissait pas. That was not weakened. Qui ne tombait pas malade. Who, that was not sick. Qui résistait à toute intempérie. That used to resist everything. C'est ce corps-là que nous prenons. That's the body that we are taking. Pendant que nous prenons cela, as we are taking que la this, puissance de Dieu qui descend dans le pain et dans le vin. Let the power of God come in on this bread and wine. Alimente nos corps. Alléluia. Notre système immunitaire, notre organisme. Our body. Our system, afin que nous recevions la vie de Christ, so that we can receive the Christ life, et que tu ne connaisses pas de maladie chronique. Qui a dit amen? And may you have no sickness, chronic sickness. Que corps, âme et esprit, nous soyons forts et robustes. May we be strong, body, flesh, and spirit. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Till Jesus comes back. Et quand nous faisons cela, cela marque aussi notre alliance avec Dieu. And as we are doing this also, we are renewing our covenant with God. C'est bon de rappeler toutes ces choses. It's good that we remind you of all these things. Amen. Amen. Tu ne peux pas devenir puissant dans ce monde si tu ne contractes pas certaines alliances. You can't be strong in this world if you don't tu ne peux pas devenir puissant covenants. Ou fort you can't be ou avoir de l'influence and have influence sans contracter certaines without entering some certaines alliances. Some covenants. Dans le monde, on parle plus de pactes. But in the world, they talk more about mais dans le royaume pactes. De Dieu. But in the kingdom of God, la Bible nous parle d'alliance. The Bible talks about et l'alliance se fait toujours par le sang. And it's always done by a blood. C'est pour cela que nous avons lu tout à l'heure que Jésus prit la coupe de l'alliance. That's why we just read that Jesus took the cup of the covenant. Dans un autre passage, on nous parle de la coupe de la nouvelle alliance. Somewhere else is talk, they talk about the cup of the new covenant. Nous devons savoir qu'en tant que chrétiens, nous sommes des hommes et des femmes d'alliance. As Christians, we need to know that we are men and women of covenant. Nous ne sommes plus en alliance avec les idoles de nos pères. We are no les more esprits de famille. In covenant with the familial spirits. Mais par Christ désormais, nous sommes en alliance avec Dieu le Père, le créateur de toutes choses, qui a dit amen. Now, through Christ, we have covenant with the creator of heaven and earth. Donc nous devons marcher dans cette alliance avec assurance. So we need to walk in this covenant with assurance. Et chaque fois que nous venons à la table du Seigneur, and anytime we come to the Lord's table, non seulement nous renouvelons cette alliance, not only we renew that covenant, mais nous renforçons cette alliance, but we strengthen that covenant, pour une vie victorieuse, for a life of victor, amen, amen, et pour une vie bénie. And a blessed life. Pour une vie prospère. A prosperous life. Et pour une vie épanouie. A blossom life. Tout à l'heure, nous allons venir à la table du Seigneur. We will come to the table of the Lord. Après avoir partagé ce repas avec le Seigneur. And after sharing this supper with the Lord. Que la vie épanouie, tant sur le plan spirituel, sur le plan physique, familial, sentimental, soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Let the flourishing life in every area of your life be your portion in the name of amen. Jesus. Qu'une vie prospère. A prosperous qu'une life. Vie de stabilité. A stable life. À tous les niveaux, soit ta portion, ta part sur la terre des vivants. At every level be your portion in the land of the living in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Qui a dit amen? Somebody say amen. Qui a dit encore amen? Somebody say amen. Nous allons tenir debout. We are going to stand on our feet. Amen. Amen. Je voudrais vous encourager. I would like to encourage c'est la you. Table du Seigneur. It's the Lord's table. Il y a la nourriture en abondance. There is food in abundance. Alléluia. Amen. Et mettez-vous à l'aise.
Be free. Mangez abondamment. Feel free to eat abundantly. Mais s'il vous plaît, ne prenez pas 4-5 bread. But please don't take 3-4 bread. Un suffira. Just one is enough. Qui a dit amen? Somebody say amen. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts même. Because there are some si people who are just ready if we are not careful. C'est pas de la checke. It's not a checke, please. Ce n'est pas du chep. It's not chep. Non, c'est pas du foutu. On ne le prend pas comme ça. You can't take it with c'est your full hand. It's bread qui a été rompu. That has been broken. Donc, une pièce, bien so just take a piece of it. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec can le sourire? Somebody say amen, smiling. Si tu prends tout, if you take all, qu'est-ce qui restera pour tes frères? What will be left for your brethren? Amen. Amen. Quelqu'un demandait, papa, somebody was asking papa, je peux prendre deux verres. J'ai dit non, il prit la coupe. Il n'a pas pris la coupe. Tu prends une coupe, tu prends un verre. He said, it is said he took a cup, not two cups. Donc si ça peut répondre aux questions so de d'autres personnes, the, c'est bon. Answer, mais tu vas t'approcher okay avec foi. But please come with faith. Avec assurance que quelque chose va se produire dans ta vie aujourd'hui. That something will happen in your life comme today as you come to the Lord's table. Amen. Amen. Lève la main, dis prépare-moi, Seigneur. Lift up your hands and say, Lord, prepare me. Dis prépare mon cœur, Seigneur. Prepare my heart. Prépare mon cœur, Seigneur. Prepare our hearts, O je veux Lord. Venir dignement à ta table. I want to come to je your venir avec foi, avec assurance. Table with faith. Recevoir assurance cette bénédiction là. To receive a blessing. Prépare-moi, Seigneur. Prepare me, Lord. Donne-moi la vie par ce repas. Give me life through this. Donne-moi food. La guérison par ce repas. Give me healing through donne-moi this la stabilité food. Par ce repas. Give me stability as I come to your table. Donne-moi l'immunité spirituelle. Give me to be immune spiritually. À tous les niveaux. At every level. Père, nous te rendons grâce. Father, we thank you. Pour le pain que tu nous donnes. For the bread given to us. Qui est le corps de Christ. Standing for the body of Christ. Nous le prenons avec action de grâce. We take it with thanksgiving. Nous rendons grâce parce qu'il est déjà béni et sanctifié. We give thanks because he's sanctified and blessed already. Que nous puissions recevoir la vie au nom de Jésus. May we receive life in Jesus' name. Père, je te rends grâce. Father, I thank you. Pour la coupe. For the cup. De vin. Of wine. Qui est le sang de Jésus. Standing for the blood of Jesus. Le sang qui n'a pas connu de péché. A sin. Qui n'a jamais été souillé. Faultless blood. Que ce sang la purifie notre système immunitaire. And may it et purifie même notre sang aussi au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je te rends grâce pour cela. I thank you for that. Et je prie pour chacun de nous qui viendra. And I pray for each one of us coming to this table. Qui reçoivent la bénédiction attachée à la communion. May they receive the blessing que chacun de nous reçoive la vie attachée à cela. May each one of us receive life attached to this. Père, pendant que je rends grâce pour le pain et le vin. I thank you for the wine and the bread. S'il y a une seule personne ici dans cette assemblée. If there is anyone here in this assembly. Qui a une malédiction attachée à sa vie. Who has any curse attached to his life? La Bible dit que sur la croix Christ the Bible a says été fait malédiction pour que nous soyons bénis. On the cross, Jesus was made a curse. C'est pour cela que son corps a blessed. Été brisé pour nous. That's why his body was broken for quiconque us. Quiconque a une malédiction. Anyone having a curse sur sa vie et dans sa vie. On his life or in his Seigneur, life. Au moment où il vient à ta table. As he's coming to your et table. Prend le vin et le pain et le vin. The wine and que the bread. Cette malédiction soit brisée. May that curse be broken in the name que of Jesus. Cette malédiction, qu'elle soit ancestrale, quel que soit son nom, quel que soit son niveau. Que cette malédiction soit annulée dans la vie de ce frère et cette sœur. No matter the kind Jésus. Of curse, may it be broken in the life of the brother or the sister in the name of Jesus. Amen. 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 Et amen. And amen. Je vais vous demander, tu peux acclamer so le Seigneur. You can clap. Pendant que je demande au pasteur de venir. As the pastors are coming. Tout à l'heure, appelez-moi, nous allons prier pour le pasteur innocent, il ne se porte pas bien. Remind me, we'll pray for pasteur innocent, he's not well. Dit, papa, papa, ça va pas. J'ai prié pour lui, nous allons élever la voix. I prayed for him, but je demande aux anciens de venir. I'm asking the venez rapidement, s'il vous plaît. Come with je me, demande aux diacres, the deacons, et puis les bergers. And the shepherds. Amen.
dit, ceci est mon corps, prenez-le, mangez. This is my flesh, take and eat. J'ai parlé, mais sentez-vous libre. Be free, take. Je ne regarde pas la table, Seigneur. Il y a l'abondance. Combien ça coûterait à la croix, il a pris en face. Encore le pain seulement. Jésus s'est donné. Amen. Nous le prenons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans le précieux nom de Jésus. Que Dieu se manifeste en nous. May God manifest et que chacun himself de nous voit un miracle au nom de Jésus. Amen. In Jesus' name. Amen. La coupe, il prit la coupe. Jésus took the cup. Pendant que tu prends la coupe, aussi reçois la vie, reçois la puissance de Dieu. Cup, receive life, power. Amen. Maman, les prochaines fois que tu prends avec nous comme ça, après tu es libre de chanter. La soirée après, tu oublies de te taire. Et puis, tu nous laisses seuls. Nous, on ne sait pas chanter comme toi. Le sang qui a été répandu pour la rémission de nos péchés. The blood that was shed for the redemption of our lives from sin. Le sang de la nouvelle alliance. The blood of the new covenant. Que cela agisse puissamment dans nos vies. May it pour nous donner la victoire au nom de Jésus. In our lives for victory. Le prenons au nom du Père. We take it in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Nous le prenons aussi dans le précieux nom de Jésus. We take it in the precious Amen. Name of Jesus. Debout et puis faire un de ce côté. Make a name and come to the Lord's table. Venez rapidement, venez rapidement. Come fast. On rend tout le monde en place et puis on va commencer. Amen. Amen. Viens avec la foi, viens avec une espérance que Dieu va te Come with faith and expectation. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Pendant que vous venez la recevoir, life, si quelqu'un espère la guérison, healing, l'onction et la puissance, la grâce et la guérison, power, grace of toutes ces healing. Choses sont libérées au nom de Jésus. Everything si quelqu'un is a besoin released. De stabilité, de délivrance, de libération, toutes ces choses sont libérées maintenant. Deliverance, stability, it recevez, possédez cela au nom Receive de Jésus. And possess in the name Amen. Of Jesus. Quand vous venez, vous prenez le pain, so you take vous prenez the le vin, bread, vous the vous éloignez et vous consommez. Dieu vous bénisse. Imaginez combien ça coûterait à la croix, il a pris ma place, c'est donné, je ne peux imaginer. À la croix, il a pris ma place. Oh. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Combien ça coûterait. À la croix. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Jésus s'est donné.
Seigneur, nous voulons te bénir pour ta fidélité. Lord, we want to bless you for your faithfulness. La Bible nous dit que ta fidélité dure à toujours. The Bible says that your faithfulness lasts forevermore. Et nous sommes bénéficiaires de ta fidélité. And we are benefiting from this faithfulness. Et nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. And we want to be thankful. Parce que tu es resté fidèle vis-à-vis de nous. Because you've been faithful. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde et tu es avec nous. You said till the end of the world you will be with us. Et tu es avec nous. And you are with tu us. Tu nous gardes. You keep us. Tu nous préserves de tout accident, you de tout malheur. You preserve us from every accident. Tu sécurises nos vies et nos maisons. You secure our lives and our homes. Nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons. We are grateful and we bless et nous sommes là ce matin pour t'adorer. We are here this morning to worship. Pour te célébrer, t'honorer et t'élever. To celebrate, honor and bless you. Il est temps d'écouter ta parole. It's time to listen to your nous prions que tu prépares nos cœurs. We pray that you prepare our hearts. À recevoir ta parole. To receive your word. Que ta parole ne tombe pas dans des cœurs de pierre. Let your word not fall on ground of mais stones. Mais plutôt dans les cœurs de chair au nom de Jésus. But on hearts of flesh in mais the name of Jesus. Mais afin de pouvoir produire. So that we can produce. Seigneur, que ta grâce abonde pendant ce temps. Let your grace abound. Ta faveur abonde. Your favor abound. De sorte que nos vies soient transformées. And may our lives be transformed. Agis au milieu de nous par la puissance de ta parole. Move in our midst by the power of your word. Il est écrit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. It is written, he sent forth his word and his word healed them. Amen. Amen. Ce matin, que ta parole guérisse à tous les niveaux. This morning, let your word heal at every level. Que ta parole guérisse sur le plan psychologique. Heal psychologically. Sur le plan moral. On the sur moral le plan ground, sentimental. In our feelings. Sur le plan physique. Physically. Sur le plan spirituel. Spiritual. Le plan financier. Financial. Sur le plan matériel. Material. Sur le plan familial. In our family. Que ta parole apporte la vie et la guérison au nom de Jésus. Let your word bring life in our lives. Seigneur, utilise ma bouche. Use my mouth. Et annonce ta parole. And announce your words. Et que ton nom soit glorifié ce and matin. May your name be glorified this morning. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Quelqu'un dit trois fois amen et acclame. Somebody le say three times amen and clap. Et tu l'acclames. To the Lord. Gracias à la présence de Dieu, Dieu nous bénisse. May God bless us. Dieu t'a fait la grâce d'avoir un voisin, c'est une bénédiction. If God has granted you to have a neighbor, it's a blessing. Bénis ce voisin, so dis bless voisin, this neighbor and sois say, béni au nom de neighbor, Jésus. You are blessed in the name dis of voisin, Jesus. Sois heureux au nom de Jésus. Neighbor, be happy in the name of Jesus. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez parfaitement derrière? Can you hear me at the back? Derrière, vous m'entendez parfaitement? Do you hear me? Dieu soit loué, merci pour ceux qui ont levé les mains. Dieu vous bénisse. God bless you. Par la grâce de Dieu, nous entrons dans une nouvelle phase. By the grace of God, we are entering in a new phase. De notre marche avec le Seigneur, je veux dire dans cette période de la nouvelle année. Our walk with the Lord in this season of the year. Nous commençons chaque année. Every year we start. Par le jeûne et la prière. By the fasting and prayer. Parce que le jeûne et la prière nous permettent de nous approcher de Dieu. Because through this we get closer to the Lord. Par le jeûne, by the fasting, on peut, comment on appelle, mener facilement une vie de consécration. We can have a holy life. Le jeûne nous humilie devant Dieu, c'est ce que la Bible dit. Fasting make us be humble in the presence of God. Amen. Amen. Le jeûne nous humilie devant Dieu. It makes us be humble nous avons in besoin the presence de nous humilier devant Dieu. We need to be humble in the presence of God for him to lift us up. La Bible dit que Dieu the Bible says that God résiste aux orgueilleux. Resist the proud. Proud.
Et il fait grâce aux humbles. And he grants grace to those who are humble. La grâce est là, elle est disponible, mais elle n'est pas disponible pour tout le monde. Grace is available, but not to anyone. Mais la grâce est disponible pour ceux qui sont humbles. Alléluia. Available for those who are humble. Ceux qui reçoivent même la grâce du salut. Those who receive even the grace of c'est ceux qui s'humilient pour s'abaisser, pour aller à cette rivière de la grâce, pour boire de cette eau-là. C'est ceux-là qui reçoivent humbly, le rafraîchissement et la satisfaction. Humbly go to this well of grace to receive it. Nous voulons pendant ce temps-là nous briser devant le Seigneur, nous humilier devant le Seigneur. In this season, we would like to humble ourselves in the presence of God. Afin que nos prières montent à lui. So that our prayers get to him. Afin qu'aucun plafond. And may no ceiling. Aucun nuage. No cloud. Aucun règne spirituel. No spiritual realm. Ne bloque nos prières. Be able to block mais our que nos prières prayers. Soient capables de traverser and so that ces choses-là et toucher Dieu and touch the Lord. Afin que Dieu nous réponde favorablement. For the Lord to qui a dit un véritable Amen à cela. Acclame le Seigneur et acclame le bien. Amen. Donc, à partir de demain, so from tomorrow, nous entrons dans notre temps de jeûne. We are starting again our fasting. Et c'était parti pour 21 jours. We said earlier on that it was for 21 days. Nous avons fini une semaine de jeûne. We finished 1 week. Et nous entamons maintenant 2 semaines. It's left with 2 weeks. Pour faire les 21 jours de jeûne. For us to have the 21 days. J'ai envie de dire à l'instar du prophète Daniel. Just as Daniel did. Dans la Bible. In the Bible. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. May the name of the Lord be blessed. Ok. Je voudrais partager juste certaines choses. Yeah. 4 choses concernant la prière. 4 things concerning prayer. Il y a beaucoup de choses there concernant are la so prière. Many things to talk about. Peut-être au fur et à mesure, on va les voir. Maybe later on mais je we'll pense que les 4 là ici vont nous aider. But this morning, the 4 I will mention will help us. Amen. Amen. La prière est tellement importante et cruciale que prayer is so important that nous devons savoir beaucoup de choses concernant la prière afin de pouvoir nous adonner vraiment à la prière. We need to know a lot about prayer so that we can do it seriously. Amen. Amen. Nous allons lire tout à l'heure Job 38, 33. Mais pas immédiatement. Tu cherches ça et tu mets ça à côté. Le premier point dont je voudrais parler concernant la prière, the first point I would like to talk about concerning je veux parler, prayer, le thème c'est 4 éléments importants concernant la prière. I want to talk about 4 elements that are very important towards prayer. Amen. Amen. Donc le premier point, so the first thing, pour aller droit au but, et nous allons prier un peu et partir pour nous préparer pour demain. We'll go straight forward so that we can prepare and come back tomorrow. C'est que, is that, il y a quelque chose que nous connaissons tous qu'on appelle le hasard. All of us are familiar with chance. Yeah, en anglais on dit chance. Le hasard n'intervient pas dans l'exaucement de prières. Chance is not taken in account when we talk about answered prayers. Nos vœux, our wishes, nos souhaits, our wishes, nos vœux, nos souhaits, nos désirs, our desire, ne sont pas exaucés ou bien ne viennent pas en accomplissement par hasard. Are not fulfilled by chance. Amen. Amen. Mais c'est par le moyen de la prière. But it's through prayer. Quelqu'un me suit? Is somebody mais c'est par you? Le moyen de la prière. It's through prayer. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. May the Lord help us to understand those et things. La prière a des principes. And prayer has principles. Quand nous marchons selon les principes de la prière, and when we walk accordingly, nous voyons l'efficacité de la prière et l'exaucement de nos prières. We see the efficiency and the answers to our prayers. Quelqu'un a dit un jour, one day somebody said, dans son message que le bishop Oyedepo que nous connaissons, said that, qui est un homme de Dieu Oyedepo respectable, is a very respectable il dit, man of God, les insensés croient à la chance. He says that fools believe in chance. Alors que les sages croient aux causes et aux effets. Meanwhile, those who are wise believe in actions and effects. Causes c'est bon? And effects.
Hello? Are you here? C'est bon? Les insensés croient au hasard. Those who are fools believe in chance. Au hasard, à la chance. In chance. C'est parce que tu as eu la chance que telle chose est arrivée. It's because you are fortunate that you got ou bien, this or si that. Tu as la chance, la chose va se produire. If by chance, this thing may happen. Nos vies en tant qu'enfants de Dieu our lives as children sont pas, of God nos vies ne sont pas livrées au hasard. Are not, nos vies ne sont pas à la merci chance. Du hasard. We are not subjected to mais chance. David dit but David said, dans le psaume 31, si je ne m'abuse, essayez de nous projeter ça, le verset 16, parce que je n'ai pas cherché 16, ça, mais je l'ai à l'esprit. I have il dit, il prie le Père et il dit, Éternel, mes destinées, il dit même pas ma destinée. He said that my destinies, il dit, mes destinées my destinies sont dans tes mains. Are in your hands. Délivre-moi de mes persécuteurs. Deliver me from those who persecute nos me. Vies ne sont pas à la merci du hasard ou de la chance. Our lives are not in the hands of chance. Mais nos vies sont dans les mains de l'Éternel. But qui a dit Amen? Donc Lord. Si nous prions que nous parlons à l'Éternel, so if we pray, celui we qui tient nos Lord, vies dans ses mains, the one who holds our lives in his hands, il agira favorablement he will answer favorably pour nous. To us. Je voulais dire, il agira favorablement à notre faveur. Il agira certainement à notre faveur. He will surely answer us. Mais il agira favorablement pour nous. But he will do it for us. Je prie que pour la saison dans laquelle nous allons entrer à I partir de demain, that the season we are entering from l'Éternel tomorrow, ton Dieu te soit favorable. May the Lord favor you. Je prie qu'il te soit favorable au nom puissant de Jésus. I pray that the Lord favors you. Est-ce que tu as dit Amen pour être vraiment favorisé? Say amen and respond to Alléluia. Amen. Donc, certains s'imaginent que Dieu choisit les prières au hasard. Some people think that God chooses some prayers by chance. Dieu choisit au hasard d'exaucer quelqu'un ou bien de bénir quelqu'un. And he decide ou de visiter quelqu'un. To answer this one or this other person. Non. No. Il dit, demandez. He said, ask. C'est comme ça que vous recevrez. And you shall receive. Le Seigneur Jésus dit que tout ce que vous demanderez, vous qui me connaissez, qui me suivez, the Lord said, all those who know me and follow me, tout ce que vous demanderez au Père, parce que c'est au Père qu'on demande, anything that you ask the Father, en mon nom, in my name, moi je le ferai. I will do it. D'accord? Amen. Donc tu ne laisses pas ta vie comme ça. So you don't live your life just like this. Si Dieu le veut, c'est Dieu qui veut. And say that si c'est arrivé, God c'est que ça doit arriver. If it happens, il y a des choses it means it should have qui doivent happened. Certainement arriver dans ta vie. It's true that things mais might happen si ce sont de mauvaises life, choses, but if they are evil par la prière, ces choses peuvent être arrêtées et n'arriveront pas dans ta prayer, vie. You can change things. Mais si tu laisses ta vie comme ça, but if you live your life just like this, même des choses qui ne doivent pas t'arriver, t'arriveront. Even things that are supposed not to happen je prie to que you cela ne soit pas ton partage au nom de I Jésus. Pray that may it not be que ta your portion soit différente au nom de Jésus-Christ. May your portion be different. Donc may ne t'imagine pas so don't imagine que les choses se font au hasard. That things happen les just choses like that. Dans la vie se font à dessein. Things happen on purpose. Et en particulier pour les enfants de Dieu. Specifically for the children of God. Les choses se font à dessein. Things are done Dieu a un plan et un objectif pour chacun de nous. God has a purpose for dans Jérémie 29, 11, il dit quoi? In je Jeremiah, connais he said, I know les projets the plans que j'ai formés that ou que I j'ai formulés pour toi for you. Avant que tu ne naisses, Jérémie. Before you were born, avant que tu ne sois embryon ou bien caillot de sang dans le ventre de ta mère. Before you were in the womb of your mother, je te connaissais. I knew you. Je t'avais préparé. I prepared you. Je t'avais choisi I have chosen pour devenir prophète, for you to become a pour prophet, me servir. To serve me. Mais c'est lui qui a écrit les Lamentations, Jérémie. He wrote et Lamentation. Quand il se lamentait, il se plaignait de certaines choses. And as he was complaining Dieu dit, about many things, je t'ai fait venir sur cette terre-là à dessein. God told him that I brought you on this selon earth un plan purpose, bien précis. According to a plan donc j'ai un plan pour toi. Prepared for you. Tu n'es pas venu par hasard. You didn't get here tu ne sais pas pourquoi chance. Tu es là. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Why you are here, what non, you have to je do. T'ai envoyé pour que tu deviennes prophète. I brought you for,
for you to become et que a tu parles de ma part aux nations. And speak to nations. Donc je connais behalf. Les projets que j'ai formés pour toi. So I know the plans that I have ou bien for les you. Desseins que j'ai formés pour toi. The purposes that are set ce sont des you. Projets de paix. They are plans of peace. Et non de malheur. And not of evil. Afin de te donner un avenir. To give you a future. Et un avenir certain. A certain future. Le projet de Dieu pour toi et moi, c'est la paix. The project of God for you and I is peace. Mais nous voyons que la guerre arrive dans nos vies. But we see that il y a la guerre au foyer. War comes in our lives, il y a in la our guerre homes. Dans les clubs que nous faisons, les groupes que nous faisons. In our groups, il y a also, la guerre dans les familles. There is war in il y a families, la guerre entre amis. Within, friends, il y a la guerre dans les communautés. In communities, et nous connaissons les grandes guerres. Il y a la guerre dans les nations. And we have also war in nations. Mais Dieu entend de dire à Jérémie, but God is telling quels que soient les tumultes et les guerres qu'il y a dans ta vie, no matter all the wars je connais les projets que j'ai formulés pour I toi. Alléluia. The plans that ce sont des projets de paix. They are plans donc tu ne laisses pas ta vie au peace. Hasard. So don't leave your life for chance. Qui a dit amen? Amen. Mais tu laisses ta vie entre les mains de Dieu, donc tu pries. So your life is in the hand of God, so you have to pray. Et Dieu choisit de t'exaucer. And God chooses to answer or not. Quelqu'un sera exaucé dans cette saison-là au nom de Jésus. Somebody is going to be answered. Et la Bible dit que and the Bible says, la prière du juste the prayer of the righteous a une grande efficacité. Has a great efficiency. Donc je veux dire à quelqu'un, so I would like to tell someone, ta prière est efficace devant Dieu en tout cas. Your prayer is efficient before God. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ta prière est efficace. Tell your neighbor, your prayer is efficient. Dis à ton voisin, ma prière est efficace. Say, my prayer is efficient. Alléluia. Amen. Donc ne t'imagine pas so don't imagine que la prière, that prayer c'est une question de loterie. Is a matter of, quand on prie là, Dieu choisit d'exaucer. And don't think that when I pray, God chooses to answer ou de ne pas exaucer. Or not. Non. No. Dieu exauce les prières. God always answers il our dit quand prayer. Vous priez que vous demandez quelque chose but au Père, when you pray and ask anything, croyez que vous l'avez. Believe that you have received. Croyez quoi? Croyez que vous l'avez reçu. Believe that you have received it. C'est alors que vous le verrez and then you will see it s'accomplir. Tous ceux qui croiront dans ce temps de jeûne et prière, all those who believe in this season vous ne verrez pas la misère, mais vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Vous ne verrez pas l'échec, mais vous verrez le succès. Vous ne verrez pas la défaite, mais vous verrez la victoire. Vous ne verrez pas le silence de Dieu, mais vous verrez la réponse de Dieu. Alors, si tu le crois, ton amen doit être vivant. Alléluia. Nous devons comprendre que le monde physique que nous voyons là, ce monde-là est aussi spirituel. Qui a dit amen? Somebody say amen. Ce monde est spirituel. This world is also et le monde spiritual. Spirituel est régi par des lois et des principes. And is governed by principles and laws. Et c'est le respect. And is the respect. C'est le respect ou non de ces principes et de ces lois. Or not of those principles and laws qui détermine that will determine ou non l'exaucement de notre prière. Oui ou non l'exaucement de notre prière. The answer of our prayers. Quand tu pries, prie avec foi. When you pray, pray with faith. Que celui qui s'approche de Dieu it is said that anyone who croit que Dieu existe believe that God exists. Et que Dieu exauce les prières. And God answers prayers. Sinon, ce n'est pas la peine de lui adresser les prières. Or else, there is no need praying to God. Qui croit que who believes cette saison est différente. That this season et n'importe quelle prière qu'il élèvera à Dieu, no le Seigneur exaucera cette prière. Alléluia. C'est seulement à cette condition. Only on c'est that un principe. It's a principle. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui a sa carte. It's like someone having his card. Il croit que si j'introduis cette carte dans le guichet, he believes that if he introduces this card into the ATM machine, et que je mets le bon code, bien sûr, and give the right code, que les billets des banques veulent ou non, elles vont sortir. The notes, the bank notes les billets vont sortir, ils vont sortir. C'est ça? Be compelled to come out. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, so when you come into the Lord's presence, ne t'imagine pas que Dieu choisit des personnes don't et laisse d'autres. That God selects some particular people. Je veux dire à quelqu'un que Dieu est fidèle. I want to tell somebody that God ton amen is n'est pas
Dieu est fidèle. God is faithful. Il est fidèle pour accomplir sa parole. To accomplish his word. Il est fidèle. S'il dit qu'il exauce, il exauce vraiment. If he says that he will answer, he will do. Si la Bible dit qu'il est capable de faire des choses, il est vraiment capable. If the Bible says that he is able to do things, he is really able. Je veux annoncer à quelqu'un, and I would like to announce to someone, que le Seigneur t'exaucera dans cette saison. That the Lord will answer you in this au-delà season, de ce que tu lui demandes. Beyond what you ask. Il t'exaucera. He will answer au-delà you de ce que tu attends de lui. Beyond your expectation. Donc fais monter ta foi. So rise your laisse faith ta foi grandir. Allow your faith to grow. Et laisse ton imagination être fertile. And allow your imagination to be fertile. Et Dieu t'exaucera. God will answer you. Et au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je veux que quelqu'un lève la main droite et dise je serai exaucé. I want somebody to say I will be answered. Lève ta main droite et dis je prie un Dieu. I pray to a God. J'invoque un Dieu. I call on a God. Qui n'est pas sourd. Who is not deaf. Qui n'est pas muet. Who is not. Mais qui entend le cri de ses enfants. But who hears the prayer et of qui the leur répond favorablement. And answer them. Qui a dit amen. Somebody say tu amen. Seras exaucé ainsi au nom de Jésus. You shall be answered in the name of Jesus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. May God help us. Est-ce que c'est le psaume 34, 6? Is it Psalm 34, verse 6? J'ai dit tout à l'heure que le jeûne nous humilie devant Dieu. I said earlier on that through fasting we are humble before God. Le jeûne assujettit la chair. It subdue the flesh. Soumet la chair. Subdue the parce que flesh. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Because its desires are different from the desire of the spirit. Amen. Amen. Nous allons lire le psaume 34, verset 6 et 7. We are going to read Psalm 34, verse 6 and 7. Oui. Quand on tourne vers lui, des regards, on est rayonnant de joie. Ok, reprends ça. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. Quand on tourne vers lui, les regards, on n'est plus triste, mais on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Qui a dit amen à la parole? They look unto him and they were enlightened, and their faces were not ashamed. Alléluia. Amen. Quand on se tourne vers Dieu dans la prière, when you turn towards God in prayer, on est rayonnant de joie. You shine. Pourquoi il nous faut prier régulièrement? Parce que la prière nous envoie dans sa présence. Why should we pray regularly? Because as we are doing it, we come to his presence. La prière nous amène à nous tourner vers lui. Prayer takes us to his presence. Tu peux venir vers Dieu comme étant malheureux, désespéré, mais tu quitteras sa présence transformée parce qu'il y a la vie dans sa présence. You can come to God desperate, but as you are leaving his presence, you go with something different. Qui a dit amen? Say quand amen. On tourne les regards vers lui, when we turn our look towards quand him, notre face rencontre sa face, when our face encounter his face, il nous influence. He influences et il y a un changement us, qui se produit dans notre vie. Is a change in our je lives. Viens dire à quelqu'un par ce message, I come to tell somebody through this ton statut, that your, ton image, your image, ton identité, your ce que tu représentes, your ID, toutes ces choses ne seront plus jamais les mêmes. Quand tu viendras à la rencontre de Dieu, qui you a dit amen? As ton aspect va changer. Change. Dans le nom puissant de Jésus. Quand on tourne les regards vers lui, dans la prière, on est rayonnant. Il y a des rayons de soleil. Alléluia. Changez rapidement. Il y a des rayons de soleil. They are lights. Qui illumine ton visage. That enlighten your face. Oh, Dieu nous appelle à entrer dans une saison God is calling us to enter a où new les visages season. Asséchés vont commencer à rayonner. Where alléluia. Dry faces will shine and bright. Où les cœurs brisés, where hearts that les are esprits broken, abattus vont se relever et vont se reconstituer au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tu ne peux pas te tourner vers lui you can't turn your face et quitter sa présence en restant le même. And leave his presence and remain the same.
Je viens dire à quelqu'un. I come to tell someone. Cela n'est pas possible. Qui a dit amen? It's not possible. Je dis cela n'est pas possible. Qui a dit amen? It's not possible. Quand on tourne les regards vers lui. When you turn your face towards him. On est rayonnant de joie. You are enlightened. Et le visage n'est pas couvert de honte. And you are not ashamed. Hey, la prière. Prayer. Nous sort de la honte et de l'humiliation. Take us out of humiliation. Parce que quand nous jeûnons, nous prions. As we are praying, nous sommes déjà humbles. We are humble devant Dieu. Before God. Tu es déjà humilié. You are already humbled. Comme on dit en Côte d'Ivoire. In Côte d'Ivoire, as they say. Quand tu es mort. When you are dead. Qu'est-ce qui peut te tuer encore? What can kill you again? Et on a une expression particulière à nous. And we have an expression. Donnez-lui l'autre micro. On a une, comment on appelle? Une expression particulière qui dit. We have a cabri mort. Saying that a goat that is dead is not afraid of death. Faut me dépecer, je vais plus crier, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu t'humilies devant Dieu, so when you humble yourself before God, le diable même peut pas t'humilier encore. Even the devil cannot. Parce que Dieu recherche des hommes et des femmes humbles que lui va élever. Because God loves humble people that he will raise. Et la Bible nous montre le secret. And the Bible show us the secret. Quand on se tourne vers lui. When we turn to him. Et David aimait le faire. And David used to do je that. Je lève les yeux vers les montagnes. I lift my eyes to the mountains. D'où me viendra le secours? From where come my help? Donc my je me tourne vers le Seigneur dans la prière. So through prayer. Et le secours me vient de l'Éternel. Towards God. Qui a fait le ciel. And rescue comes et la from terre. Him. Je veux dire à quelqu'un, I want to tell someone, si tu es dans l'humiliation, if you are in ou bien tu es au bord de l'humiliation, you are about si tu marches dans la honte, ou tu connais la honte, be ashamed, l'heure est venue, time le temps come, est venu, the season pour toi has de come, te tourner vers lui résolument, to turn towards tu ne seras him, plus couvert de honte. And you shall never cette couverture be ashamed, qu'on appelle la honte, that covering, dans that, sa présence, that is called shame in his presence. Alléluia. Dans la prière. In dans prayer, cette intimité avec Dieu. In this intimacy sa with God, main enlèvera la couverture. His hand will remove that parce que cover. La honte est une couverture. Because shame is a cover. Et la Bible dit quoi? But the celui Bible qui tourne les regards vers lui ne sera pas couvert. The one who comes to the Lord, quel que soit ce qui a couvert est ta vie, j'annonce une saison de découverte. Alléluia. Quel que soit ce qui a caché ta vie, j'annonce une saison de prière où Dieu va enlever la couverture qu'on a mise sur la vie de certaines personnes. Alléluia. Et tu vas connaître une nouvelle exposition. And you will be exposed to new things. Mais une exposition glorieuse. A glorious one. Et une exposition qui vient de Dieu. Coming from God. Qui a dit amen, que cela soit sa part. Et que cela soit sa portion. May it be your portion. Maintenant, venons humblement, ne venons pas vraiment qu'en étant hautain devant Dieu. So when we come, may we not come with le verset qui suit dit quoi? Le verset 7. Verse quand un malheureux crie, when, l'Éternel l'entend et il le sauve de toute cette détresse. Alléluia. Si tu reconnais ta situation, if you ta position, your position, viens comme quelqu'un qui a perdu tout espoir, come qui vient chercher Dieu. As someone who has lost it all, mais tu es dans un problème, mais oh, tout, mais ne viens pas. Tu peux faire le malin devant les hommes, mais pas devant Dieu. Quelqu'un dit à quelqu'un, pas devant Dieu, pas devant Dieu, pas devant Dieu. Don't be arrogant before God. Mm. Tu as dit quelque chose, hein? Arrogant. Tu as dit, hein? Alléluia. Ne sois pas arrogant devant Dieu. Don't be arrogant before God. Mais fais-toi petit. But make yourself comme un malheureux. Small as a poor et Dieu and God entendra ta prière. Will listen to your prayers. Et au milieu d'une multitude, and among a multitude, il te répondra favorablement au nom de Jésus. In the name of Jesus. Si tu as entendu que cela est ta portion, dis le véritable amen, amen que Dieu attend. That's your portion, say amen. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, non. Nous devons croire à la prière, aux prières que nous faisons. We need to believe the prayers et savoir que les prières ont des principes. And we need to know that je suis toujours sur le premier point. And I'm on the first point. Le hasard n'intervient pas dans la prière. Dieu ne fait pas partie de l'exaucement de la prière. Chance doesn't intervene when it comes la to prière n'est pas exaucée par hasard.
Your prayer is not answered by chance. Mais ta prière est exaucée. But your prayer is answered. Parce que tu connais certains principes que tu mets en application. Because you know some principles that you apply. Qui a dit amen? Somebody say amen. Je donne un exemple. I give an example. Imaginez un homme. Imagine a man qui ne croit pas à l'existence. Who does not believe de la loi de la pesanteur, c'est ça? In the law of gravity. Et de tout son cœur, il décide de ne pas y prêter attention. He decides to overlook it. Il se met, je ne sais pas moi, and he goes sur le toit là, maybe on the ou bien roof, à l'étage. Et puis il se jette. Qu'est-ce qui va se passer? Himself, il va descendre. What will happen? Il y a des lois qui existent que tu dois savoir. There are laws that are there, si tu lances un objet lourd, if you throw il a beau partir, heavy, quelle que soit la distance, no matter the il y a une distance, loi qui existe there is a law existing. Dans le firmament là, c'est comme ça que Dieu a créé les choses. In a firmament, ça ne va pas rester suspendu. And it cannot remain in the ça va descendre. Mais si tu ne fais pas attention, même ça va descendre down sur ta tête. And if you are not careful, mais si tu connais ces lois là, but if you know those laws, tu sais comment marcher, on est d'accord? You know how to tu sais comment te tenir. Tu ne vas pas te jeter du haut d'une falaise n'importe comment. Going to throw yourself. Amen. C'est comme ça qu'il te faut connaître les lois de la prière. That's why you need to know the laws attached to afin prayer que ta prière soit efficace. So that your prayer quelqu'un dit, be Seigneur, efficient. Ouvre mes yeux. Somebody say, Lord, open je ne t'ai pas my entendu, eyes. Ouvre mes yeux. Open my eyes. Donne-moi la compréhension. Give me to understand. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. La compréhension des principes de la prière. Understanding the principles. Écoutez-moi très bien. Attached to prayer. La Bible nous dit que the Bible says, vous demandez. You ask. C'est la prière, non? It's prayer. Mais vous ne recevez pas. But you don't get the answer. Parce que vous demandez mal. Because you don't ask well. Il ne suffit pas de demander. It's not just a matter of asking. Faut savoir demander. You need to know how. Faut bien demander. Ask. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. You don't get answer to Seigneur, your demandez prayers mal, c'est comment? Well. Le verset continue pour dire. What's the parce que vous demandez. It's because you ask. Dans le but de satisfaire vos désirs. To satisfy your desire, vos envies. Your envies. Il y a des gens qui demandent des choses à Dieu. There are some people who ask things to soit God, de l'argent. Maybe money. Soit une voiture. Or a car. Soit une maison. Or a house. Demande certaines choses. They ask some things. Yeah. Pour montrer à la dame qu'elle a là. Just to show this. Toi, tu penses que c'est toi seul qui peux. To show her that it's not you soit only, habillé. Tu veux montrer quelque chose you à quelqu'un. Want to show something to Dieu somebody n'est pas dans ces compétitions-là. God is not in those competitions. Alléluia. Amen. Si tu demandes quelque chose à Dieu pour que Dieu te donne pour que ça fasse mal à ton prochain, if you tu ne seras pas exaucé. Anything to God to show off, God will not give it to you. Mais ce matin, je veux dire à quelqu'un. But this morning, I want to tell someone, tout pour sa gloire. All for his tout glory. Pour sa gloire. Alléluia. Demande quelque glory chose pour la gloire de Dieu. Pour honorer Dieu, pour élever Dieu. God, pas pour frustrer him ton frère. Not to pas pour une raison de vengeance. Jealous. Not to revenge pas yourself pour montrer ton ego. Not to show off. Mais pour que dans ce que tu reçois but so that through de what la part you de get Dieu, from God, ce Dieu-là soit honoré, ce Dieu-là soit glorifié. Your God be honored. Ton amen est suspect parce your que amen on dirait suspicious que tu veux montrer quelque chose à quelqu'un que Dieu te délivre may ce God matin. Deliver you from that. Alléluia. Amen. Cela est important. It's donc il y a des lois qu'il faut connaître so et quand nous prions, nous devons savoir que nous devons prier avec autorité, that you need to know, avec you assurance know, you need to et know Dieu that le when you fera. Pray, you have to pray with assurance. Regardez ce que Dieu demande. This is what the Lord is asking à Job. To Job. Job 38, verset 33. Job 38, verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Merci. Bon, on y va. Le temps qu'elle trouve. Connais-tu les lois du ciel? Do you know the laws of the heaven? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Do you regulate his power on on voit ici que c'est tellement important de connaître aussi certaines lois du ciel, de l'atmosphère. So here we even see that we need to know some et de pouvoir rules prier ou parler par rapport à ça. And we need to talk demande, accordingly. Est-ce que c'est, tu les règles? Tu règles leur pouvoir sur la terre? Do you regulate their power on earth? Regardez certaines choses de la prière. Look at some things concerning prayer. Tout ce que vous lierez sur la terre, anything that you will bind in heaven,
sur la terre. Oh, sorry, on earth. Anything you bind on earth sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié. Frère, si tu ne connais pas ces principes, but if you don't know those tu seras toujours dans un système de Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, j'ai besoin de cela, j'ai besoin de ceci. Alors qu'à un moment donné, l'Esprit doit pouvoir te conduire à ordonner les choses. Tout ça, c'est la prière. À ordonner les choses. À commander les choses. Le même Jésus qui dans les évangiles a dit demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, vous ouvrez, on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit, quiconque cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Le même Jésus dit dans la prière, quand tu pries, when you are praying, si tu dis à cette montagne, if you tell vous voyez que là, ça change de phase. Move, si tu dis à cette montagne, if you tell this mountain, déplace-toi de là. Move from where you are, quitte sur mon chemin. Leave my way, tu es sur le chemin de ma destinée. You are on the tu way me barres le chemin. You are alors que je vais me à Canaan, alléluia. Le Seigneur m'a promis Canaan quelque chose. The Lord promised tu n'as rien à faire ici. You have nothing to do on the way. Donc tu ne dis pas, Seigneur, you don't say, enlève cette montagne, oh, Lord, enlève cette montagne. This mountain, oh, que cette montagne quitte, oh, que let cette montagne. This mountain leave, oh. Mais le Seigneur dit que ah, tu dois connaître certains principes. The Lord says, pour qu'à un moment donné, so conduit par l'Esprit, time, led by the Spirit, tu t'adresses à la montagne. You talk parce que tu sais l'autorité the mountain, dont tu as été investi, alléluia. You know et tu dis à cette montagne, déplace-toi de là. Move. Je t'ordonne. I command you, quitte sur mon chemin. To move from il dit, my way. Si tu lui dis, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer. If you tell the mountain si to tu move, ne doutes pas dans ton cœur, if you don't doubt, que tu crois and you believe, que ce que tu dis arrive, that what you are saying will tu verras come littéralement pass, you will see la montagne it, se transporter the mountain moving, et se jeter dans la mer and be cast in et the ta sea, voix sera libre. And your way will que be Dieu free, nous ouvre les yeux, que nous comprenons certains principes spirituels. May God open our eyes so that we understand. Quand tu es en face des puissances des ténèbres, je donne un autre exemple. I would like to give another si example, tu es en face d'un sorcier, if you are before a wizard, c'est maintenant que tu as dit, Seigneur, défends-moi. En général, c'est ce qu'on fait. Tu es vaincu. Generally, that's what we je say. Dis, tu es vaincu. I say you toi, are, tu es vaincu. You are, tu vas où? You are alléluia saying that you are conquered, but you are afraid. Je connais, j'ai eu des témoignages comme ça. I saw some testimonies des chrétiens qui ont like déménagé. Christians that moved from their homes, quand ils ont su when they knew que leurs voisins that their neighbors lance les coris, un marabout, cast, ou bien un mystique, Paris, are mystic people, je ne peux pas rester ici. I can't stay in this avec neighbor comme ça. With this neighbor of où mine, est ton autorité? Where is your authority? Ah papa, moi j'ai décidé de déménager parce que je n'arrive pas à dormir la nuit. J'ai prié, mais ça, tu as prié, j'ai prié, prié, prié. Mais sa prière, c'était quoi? Seigneur, il faut l'enlever d'ici. Seigneur, God, faut l'enlever d'ici. Remove this neighbor. Mais tu as l'autorité. But you have voici, authority. Je vous ai donné le pouvoir de. Said, I've given to you the power. Ah, tu connais ça? Oh, so you de know marcher it sur les serpents et les serpents, scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. And over et the power rien. Of the enemy and nothing. Rien ne pourra vous nuire. Nothing can stand. Est-ce que tu sais, you, tu dois connaître ce principe-là que you hey, need to know rien that ne va te nuire. That nothing can. Regardez les chrétiens qui rendent plus témoignage. Christians don't give ils se disent que s'ils rendent témoignage, because they les esprits, that if they give testimony, les hommes spirits, vont nuire à leur vie. Human beings, alors que le Seigneur dit, them, l'autorité, le pouvoir que je t'ai donné là. Meanwhile, the Lord said, I've given you power. Chaque fois que tu vas l'exercer, rien, you use it, it, et absolument rien ne pourra te nuire. Nothing can harm you. Mais est-ce que tu y crois? But do you believe that? Alléluia. Amen. J'ai demandé à quelqu'un quand le pasteur Kadja conduisait la délivrance. When Pastor Kadja used to conduct prends telle personne dont je ne vais pas mentionner le nom. I asked somebody. Et puis, ce n'est pas le pasteur Kadja. C'est un autre pasteur. It was another pastor. Prends telle personne. Take this particular person. Conduis. Lead that person. Forme ces personnes-là pour la délivrance. Oh. Ils sont venus au prier la délivrance. Train those people. Ils ont prié for pour des personnes they came for the training pendant un certain temps.
for a while. Donc ils venaient là, ils apprenaient. On leur dit, prie pour celui-ci. And learn prie pour celui-là. Fais comme ça. À un moment donné, je ne vois plus le frère. It came a time, I didn't see the brother again. L'équipe de délivrance, c'est comment? And I asked. Et le pasteur, je crois que c'est le pasteur Kwao. And the pastor said, il dit, I think it was Pastor Kwao. And he said, il a déserté. He has disappeared. J'ai demandé au frère. I asked the brother. Le frère dit, the brother said, chaque fois qu'on fait la délivrance, anytime we are performing deliverance, les démons là viennent me trouver à la maison. The demons come to my home. Dans mon rêve, je me bats avec eux. And in my dream, I fight with them. J'ai décidé d'arrêter. So I've decided to stop. Qui doit capituler? Who have to? La Bible dit quoi? Résister au diable. What is the Bible saying? Resist the avec devil une foi with a ferme. Strong faith. Et il fuira loin de vous. And he shall flee. La Bible n'a pas dit résister aux démons. Hein? The Bible didn't say resist résister the demons, au diable lui-même. But rather the devil leur chef. Himself, their boss. Et puis il fuira. And he shall je suis venu dire à quelqu'un qui prie sans conviction, who qui prie sans foi. Conviction or faith. Alléluia. Le diable lui-même est appelé à fuir devant toi. The devil is supposed à plus forte raison, les démons qui lui obéissent the demons that dans une troupe, in dans un groupe de personnes. In a group of people, une fois que le chef est frappé, when the boss, le groupe est dissipé. C'est vrai ou c'est faux? Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. You have the power to et rien ne pourra vous te nuire. Alléluia. Dans l'atmosphère, dans le règne spirituel. In the spiritual ce sont les démons, les principautés, les dominations the dominions, the principalities qui sont là-bas. Mais there. Dieu dit, toi, but God says fils, you, enfant de Dieu, child fille of de God, Dieu, tout ce que de la terre ici, tu liras dans le ciel. Anything that you bind ça in sera heaven, lié. It shall be truly bound. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette autorité? But what are you doing qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir? Tu as été investi. Je you dis à quelqu'un, tu as été investi, you have been mais tu n'as given. Pas été investi par un homme, not tu as été investi man, par Dieu. Et la saison qui arrive là, season, tu peux faire déménager les démons qui ont élu de missiles dans ta maison, alléluia. You can make demons that are in your house to go away. Alléluia. Amen. Les démons qui sont venus habiter dans ta famille, the demons dans ton mariage, to dwell dans ton lieu de travail, in your family, in, at your workplace, tu as reçu le pouvoir de les chasser. You have the power to les démons ne fuient pas ta maison, ne quittent pas la vie de quelqu'un par hasard. Demons don't flee by chance. C'est quand on ordonne au nom de Jésus. Is when you command them il dit, in the mon nom, vous chasserez he les démons. Said, in my name, you voici les principes que tu dois connaître. Demons. Et puis, utiliser efficacement le nom de Jésus. These are principles that we need to know dans la prière, use the name tout ce que Jesus vous demanderez à mon nom au Père, in the Bible, it is said that il le fera. You ask to the Father, Dieu s'attend in my name, à voir un autre type de chrétien God dans le champ de prière qui va commencer. Alléluia. Il s'attend à voir des fils et des filles pleins d'autorité, pleins de conviction, pleins d'assurance, full of assurance, qui connaissent la valeur de la prière, who know the value qui connaissent of la prayer, puissance de la prière, who know the power qui connaissent of les principes prayer, de la prière, who know the et qui ne jouent pas avec la prière. Prayer, mais Dieu ne veut pas des ignorants qui ne connaissent pas ce que c'est que la prière et qui disent que j'ai trop prié et je me repose. Ignorant people who say, I pray too much, et pendant que celui qui a planté dormait, pendant qu'il se reposait, l'ennemi est venu planter l'ivraie. Je prie qu'en cette période-là, aucun ennemi ne vient planter de l'ivraie dans ta vie. Qui a dit amen? No enemy will come and plant evil. Je prie que tu sois éveillé. I pray that you vous veillez be et priez afin de remporter la victoire. So that you will get victory. Dis à ton ami, tell your friend, dis à ton voisin, tell your neighbor, tu as été investi de l'autorité you have been given the authority et du pouvoir qui vient d'en haut and power from above. Pour rendre ta prière efficace. For your prayer to be efficient. Que cette saison, ta prière soit efficace. In this season, may your prayers be efficient. Que ta prière soit puissante. May your prayers be powerful. On parle avec conviction. Que ta prière renverse. Say with boldness. Les fondements démoniaques. Les fondements sataniques. Satanic foundations. Que ta prière ébranle les fondations démoniaques. Let your prayer move foundations. Dans le livre des Actes des Apôtres. In Acts of Apostles, les chrétiens priaient jusqu'à ce que le lieu où ils étaient a tremblé. Christians pray until the
ground shook. Oh, dans la semaine qui arrive, in this coming week, dans la saison qui vient, in this coming season, que toi et moi, nos prières, may our prayers secouent le royaume des ténèbres, alléluia. The kingdom of secouent les démons de nos familles, qui a dit move amen? The demons remue les démons qui nous entourent, alléluia. Move demons surrounding les démons us. Qui ont été envoyés en mission dans nos lieux de travail. Sent on assignment in envoyer our en mission dans nos mariages. In our marriages. Envoyer en mission dans nos familles. In our families. Envoyer en mission dans nos églises. Send in assignment, on assignment je déclare in our leur chute et leur fin au nom de Jésus-Christ. I de declare their end in the je name déclare of Jesus. Leur chute et leur fin au nom de Jésus-Christ. I declare they are casting que celui down qui n'a pas peur, qui sait qu'il investit d'une autorité, dit amen avec autorité et puissance. Parce que ton amen ressemblait à l'amen d'un peureux. May you not be. Tu n'as pas à avoir peur. Don't be afraid. Qui a dit amen? Amen. Un dernier exemple et puis je passe. I want to give another example and pass. Et je donne le témoignage de. I would like to give the testimony of. J'ai envie de dire mon grand-père. My grandfather. L'archevêque Benson Idahosa, qui est le père de mon père spirituel, qui est l'archevêque Benson Nicolas Duncan Williams. Idahosa, who is the spiritual father of my il father. Savait de quoi il était investi. C'était un homme de prière. Il finit de prier, il parle à Dieu. Mais quand il sort dans la vie active, il vient dans son ministère, sa manière de prier est différente. His way of praying is different. Il prie avec autorité. He prays with il prie authority. En donnant des ordres. Commanding. Frère, nous devons changer. Alléluia. We need to change. Nous devons, je veux dire, nous adapter à ce que Dieu nous montre et ce we que Dieu nous enseigne. To adjust to what the Lord un jour, us. Je ne sais plus en quelle année, one day, on annonce au Nigeria qu'il y aura une grande réunion. Écoutez très bien. Des mystiques. Well, of, mystic people, ou bien des sorciers. Or wizards. On annonce cela. They il dit, mais comment it. Nous on peut être là? And et puis said, on annonce des how choses can comme ça. We be in this country and they announce such things? Ils passent à la télévision, ils font leur annonce. They go to ils vont venir polluer l'atmosphère. And they announce that meeting. C'est pas possible. And he said they are not coming cette to réunion pollute n'aura pas the atmosphere. Lieu. This meeting will lui, not come to pass. Benson Idahosa, il y a longtemps, les gens prédisaient sa mort. So Benson Idahosa, people announced his parce death qu'il était un spécialiste ahead de défi. Because he was specializing où il a construit son église. On dit que c'est l'endroit à Benin City. It was told that c'était l'endroit the des sorciers du village, des féticheurs. Ils ont enterré leurs dieux, leurs idoles là-bas. They buried their idols in on dit, that mais place. C'est un terrain à prendre. C'est des terrains, tu peux prendre pour bâtir. They are lands you can use les them. Sorciers, les féticheurs sont levés pour dire comment ça. But the wizards and the fetish ici, pour nos priests, ancêtres, tu ne peux pas. They quiconque viendra ici mourra. Il dit, ah, c'est ce que je ne voulais pas entendre. Défi. Anyone who comes here will die. And Idahosa said, that's what even what I want. Il est arrivé là-bas. He got there. Avec ses éléments. With his je parle des chrétiens, ses enfants spirituels, tout ça. Commencez à me défricher tous ces endroits-là. Started, on va voir combien said, de tas, combien de places on va prendre. Start cleaning this place. We'll ils ont envoyé un message. Vous dites, dites-lui, s'il ne quitte pas là-bas dans les heures qui suivent, and they told him, they sent him a message to say, lui, l'archevêque, personne depart, il mourra. He will die. Allez lui dire, il dit, va dire go à la personne qui t'a envoyé. And Idahosa sent the person back. S'il t'envoie encore ici. That if ever he send you back to me. Lui-même, ses jours seront comptés. He himself shall die. Ils sont venus dans leur apparat où est les féticheurs. So they came with comment their ils sont mal fetish priest garments. Les kaolins partout. With a lot of les clay. Bracelets partout. Bracelets. Les basses, tout ce qui est médiocre. Everything that can c'est impress ça qui anyone. Et puis ils sont venus. And they came boldly. Il dit quittez ici. Sinon. Said, leave this place il dit else, quiconque else, essaiera d'empêcher. And Idahosa said that un de mes de travailler ici, de faire quoi que ce soit. Try to hinder us from Dieu le frappe, working il on this place. My c'est God une prière, mais c'est pas une prière. C'est la prière. That's a prayer. Regardez comment Jésus a prié pour Lazare. Père, je te rends grâce. Look at the way Lazare, Jesus prayed for Lazarus. He said, thank you, Lord. Père, je te rends Lazarus, grâce. Come out. Distribuez le pain. Ça se multiplie. Distribute the bread and it multiplies. Quelqu'un me suit? Is somebody following me? Que Dieu nous aide. May God help us. Le premier qui a essayé the first one who start est tombé là-bas sur le champ fell de on bataille. The ground, right,
away. C'est-à-dire que tout le reste a pris peur. So all the rest. Lui là, on le connaît dans le village. On connaît sa puissance. We know his power in this village. Mais notre Dieu nous a donné la puissance supérieure, mais on n'utilise pas. But our God has imaginez given us a superpower. Que l'archevêque, and we are not using it. L'archevêque Benson Idahosa. So imagine the devant ce défi, il avait dit, regarde, before this challenge, saying that, il y a d'autres okay, terrains, guys. On va aller prendre d'autres terrains. So est-ce que Dieu se serait manifesté? Est-ce qu'on aurait vu la puissance de Dieu? Sure that the name of the Lord would have been glorified? Il les a défiés. Dieu a relevé le défi. Je te défie de mettre Dieu au défi pendant ces deux semaines de jeûne. To challenge tu verras God la gloire de Dieu si tu crois en lui. Alléluia. If you really believe il te donnera him. La victoire dans les combats dans lesquels tu es engagé depuis longtemps. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de victoire. Cette saison qui arrive. Ce sera ta saison de victoire au in nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est tombé. He fell. Il y a un qui a dit, celui one qui est tombé là, said, c'est mon petit. The one who fell is my small boy. Il dit, si l'autre s'amuse qu'il vient pour arrêter les travaux, pour stopper tout, anyone comes again je lui to come donne and stop less than 3 days. The work, je lui donne moins de 3 jours. C'est fini. La renommée de Jésus renom a pris dans le Jesus village. L'évangélisation a commencé comme ça. Parce que c'était des prières, village, des oracles de l'éternel, des déclarations qui sortaient. Of God et croyant cela. Declared, et puis il est sur le terrain. And he was on the ground. Hallelujah. Hallelujah. Que ta manière de prier change. Let your way of prayer, la prière faisant du juste a une grande efficacité. The prayer of the righteous la Bible dit quoi efficient. Faites toutes sortes de, the Bible says, de prières, do all kinds de supplications, of prayers, d'actions de grâce, d'intercession, de combats spirituels, etc. Warfare, etc. etc. And so on and so quelqu'un forth. Lève la main et dit, aide-moi Seigneur. Somebody say, Lord, help me. Alléluia. Alléluia. Allons-y avec Acte 10, 34, et puis je passe aux autres. Let's go to Acte 10, 34. Acte 10, 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Oui. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Qui a dit amen à la parole de Dieu? Then Peter opened his mouth and said, of a truth, I perceive that God is no respecter of persons. Yeah. But in every nation, he that feared him and work righteousness in accepts is accepted with him. C'est bon? Pierre dit en vérité, so je Peter reconnais said, truly, pour avoir marché avec Christ, I acknowledge that we walk pour avoir with Christ, exercé le ministère pendant un certain nombre d'années, for working with him for some time, et par expérience, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. I acknowledge that God il y a une, personne, il y a une version qui dit, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. I believe that God doesn't favor people, mais partout sur la terre, qu'en toute nation, but in every nation, celui qui craint, qui le craint, fears him, et qui pratique la justice, lui est agréable. Practice righteousness is acceptable. La prière du juste a une efficacité. The prayer of the righteous, ce ne sont pas toutes les prières qui sont efficaces. It's not all ce n'est pas la prière de tout le monde qui est efficace. It's not the prayer of anyone. C'est la prière de celui qui craint Dieu. But the prayer of the one who fears. C'est la prière God de celui qui obéit à Dieu. The one who obeys God. C'est la prière de celui qui marche dans la justice de Dieu. The prayer of the one who walks. C'est cette prière-là qui est efficace. He is the one who is prayer. C'est cette prière qui est puissante. And powerful. C'est cette prière qui accomplit des is choses. That prayer that et c'est cette prière qui est exaucée. Qui a dit amen? Answered. Il dit, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. God mais quand toute nation, c'est partout sur la terre, everywhere on earth, celui qui le craint the one who et qui pratique la justice, and live in righteousness, Dieu l'exauce. God answers him. Marche dans la crainte de Dieu pour walk voir l'exaucement de ta prière. In the fear of God for your prayers to mets be answered. En pratique la parole de Dieu pour que ta prière soit efficace. Practice his word for your prayers to be answered. Dieu n'exauce pas un homme plus qu'un autre. God doesn't answer the prayer of a man more s'ils than obéissent pareillement. If both obey.
Il y a quelqu'un, celui qui exauce là, il fait quelque chose que tu ne fais pas. If God answers the prayer of one and leave the other one, it means he doesn't do. Je veux dire ce matin, le respect des principes fait la différence. What I want to say this morning is that as you respect the principles, difference will be made. Notre Dieu est un Dieu de justice. Our God is a God of righteousness. Si tu marches dans son obéissance, if you si tu écoutes sa voix, and listen to his Alleluia. Voice, il va satisfaire tes demandes. He will answer your prayers. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Amen. Amen. Les deux autres points, je vais aller rapidement. Deuxièmement, secondly, la chair n'aime pas la prière. The flesh doesn't love prayer. Hello? Are you here? La chair, the flesh, la viande là, our body, n'aime pas doesn't love la prière. Prayer. Aime tout sauf les choses spirituelles. It loves it all except spiritual things. Alléluia. Amen. Mais Dieu merci, but nous ne sommes pas faits de corps seulement. We are not made of mais flesh ce corps alone, abrite notre esprit. But this flesh inhabits et our si ce spirit. Corps n'est pas disposé, and if this body is not notre esprit peut être disposé. But our spirit still can be available. Qui a dit amen? Amen. Je prie. I pray que dans cette saison, that in this season, ton esprit soit disposé et ton esprit soit bien disposé pour entrer dans la présence de Dieu. Available to enter the presence que ton esprit of soit God. Disposé pour chercher la présence to de Dieu. Seek the presence of God. Un frère a dit un jour, one day a brother said, j'ai envie de prier. I feel like praying. Dans ma tête, in my mind, mais simplement mon corps ne peut pas répondre. But my body refuses. Cette force-là n'est pas là. I don't have the strength. J'ai le désir de prier. I desire mais il y a cette lourdeur-là. But there is this qui pèse sur moi, weighing on c'est me. La chair. It's the flesh. C'est pour cela que dans des moments comme ça de jeûne de prière, that's c'est bon d'associer le jeûne qui assujettit la chair. It's good to add fasting that will subdue the flesh. Le frère dit, je peux regarder la télévision pendant des heures. The brother said, I can watch TV for hours. Mais quand je prends ma position de prière, but when I decide to pray, je commence à bâiller. I start yawning. Mes paupières s'appesantissent. And I feel like et puis c'est le sommeil. Mais I si je regarde ma série ou bien je regarde quelque chose qui m'intéresse, I'm watching something on TV that I like, je reste éveillé. I can't sleep. Parce que la chair aime ça. Because the body loves la télé those et ces choses. TV and mais all n'aime those pas things, la prière. But it doesn't love prayer. Est-ce que tu sais ce que tu dois faire par rapport à ça? Do you know what you have to do for that? Je vais t'expliquer tout à l'heure. I'll donc seul l'esprit. So only the spirit perçoit le besoin de se rapprocher de Dieu par la prière. Sees the need of going to the presence of God through prayer. Mais malheureusement, unfortunately, beaucoup d'entre nous, many of us, les chrétiens, Christians, leur esprit, our spirits, est soumis aux caprices de leur chair. Is subdued to the desire of our flesh, yes, on peut dire our ça body. Malheureusement, beaucoup, unfortunately, many of us. Votre esprit our spirit est assujetti, is subdued, est soumis is subjected aux caprices de la chair to the flesh et l'esprit desire. Obéit à la chair. And like mais ce matin, pendant que tu reçois the, ce message, flesh, but this morning, as que ton esprit soit vivifié, message, que ton esprit soit fortifié, weakened. Que ton esprit soit alimenté de puissance, let your spirit que ton esprit fortified. Reçoit la touche receive the touch du Saint-Esprit of the Holy Spirit, afin de dominer sur la chair, so that you can subdue afin de ne pas flesh, être assujetti à so la chair, that you won't be mais que la, ta chair flesh, soit assujetti à, but rather the contrary, à ton esprit. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Matthieu 26, 41, lisons. Matthieu 28, 41. Beaucoup de chrétiens commencent à prier quand leur corps est disposé. Ça veut dire quoi? Selon le saut d'humeur. Many Christians aujourd'hui, want to pray. Il y a longtemps il n'y a pas prié. Il y a longtemps il n'y a pas fait des choses comme ça. Bon, aujourd'hui, no, allons-y. I've not been praying for a while. Today I feel like il y en a qui disent ça, j'ai trop fait cette fois-ci. Bon, non. And we can say, et c'est comme this ça one, tu tombes done it too much. Entre les griffes du diable. And then we fall into n'oublie pas qu'il rôde. Il cherche qui va dévorer. Il ne se fatigue pas. Don't forget that it's around, seeking to Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Oui. L'esprit est bien disposé, oui. Mais la chair est faible. Ouh. Veillez et priez, watch and pray, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. So that you la prière nous rend temptation. Fort en face de la tentation. Prayer strengthens us
Les tentations, nous les avons tous les jours, au travail, à la maison, dans nos allées, nos venues. Mais un homme de prière résiste un peu plus que celui qui ne vit pas dans la prière. But a man of prayer resists better than the one who don't. Parce que dans la prière, tu es au contact à l'esprit de Dieu. Because as you pray, you are in contact. Et l'esprit de Dieu fortifie ton esprit. And the spirit of God strengthens you. Et quand il y a la tentation, and whenever there is temptation, ton esprit devient plus fort que ta chair. Your spirit becomes stronger than your flesh. Et tu arrives à surmonter. And you can overcome it. Mais quand tu n'es pas un homme de prière, une femme de prière, but when you are not a woman or a man of prayer, tout de suite, toi-même inconsciemment, tu dis la chair est faible. Toi-même, tu démolis même tout. But the flesh is weak. Donc, la chair prend le dessus. C'est l'esprit qui est disposé. Mais prends, nous là, nous avons la capacité de switcher. C'est comme ça on dit. We have the capacity to switch. On a deux modes. We have two ways. Il y a des appareils qui ont des options. There are some, il y a l'option manuelle, il y a l'option automatique. There are some machines who have many options. D'accord. Tu peux rester en mode manuel. You can use the manual. On appuie d'abord. Et tu peux aller en mode automatique. But you can use also automatic way of. J'avais une voiture, une 4x4. I saw a four-wheel drive. Il y a quatre modes. Who has four modes? Où il y a un bouton. Quand tu es dans la neige, a button. When you tu tournes le bouton. Snow. Les roues motrices là. When you press that particular prennent button, une certaine forme. The, et puis peuvent wheels entrer dans la neige pendant que les autres voitures qui n'ont pas cette option là vont venir s'embourber dans la neige. Take another shape to stand the snow. Quand tu prends les voies rocailleuses, when you, he's going ça, through, tu switches le bouton, stones, tu vas là-bas, stony roads, tout en bas se met en marche it switch pour pouvoir again monter to guide, 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 une autre voiture qui te suit so va être en lambeau. Mais nous, là, nous sommes à la fois des hommes physiques we are physical, dans la chair, human beings, mais par l'Esprit de Dieu en Christ, but by the Spirit nous of sommes God aussi des hommes Christ, spirituels. We are also donc nous pouvons switcher beings aussi. We can also nous avons switch le mode physique, we le mode naturel, physical, mais nous avons aussi le mode spirituel, le mode surnaturel. Hey, ne reste pas dans un seul mode. So please, tu dois connaître ton identité, way qui tu es. Tu peux aller dans l'autre mode. You alléluia. Can also switch to the spiritual. On t'attaque physiquement, tu peux réagir physiquement. You, if you are attacked physically, on t'attaque spirituellement. You alléluia. Physically. Un homme spirituel, un mystique, un sorcier, ce n'est pas écrit sur son front. It's not mais il a des pouvoirs. Of anyone that is a il a des pouvoirs. He has powers, il a des capacités. Capacities. Quand il veut utiliser cela, when he want to il peut marmonner it, quelque chose. He might il peut faire des incantations. Do enchantments. Il peut avoir quelque chose en poche. Or have something in his pocket. Il sort. Quand il mange ça, il dit quelque chose, ça lui donne la puissance. Là, là, il vient de shifter. Il est dans une autre dimension. And il te fait des choses que tu ne comprends pas. He is doing things mais nous aussi en Christ, but we also in Christ, à partir du moment où on dit au nom de Jésus, on peut changer de dimension. In the name of Jesus, à partir we du switch moment où on commence à lire à brosse, qu'il y a when dans la brosse qui était. Les bambouriens d'abord, on change. Alléluia. On a cette capacité. We have that capacity. Parce que celui qui prie en langue, because the one who la Bible dit automatiquement, il ne parle plus aux hommes, il parle à Dieu. The Bible says he doesn't talk to human beings, il s'adresse même plus aux esprits, il parle à Dieu. He's not even talking to the spirits, but to God. Parce que ce qu'il dit, because what les hommes ne comprennent pas. Men don't understand. La Bible dit même les démons ne comprennent pas. The Bible says that demons don't mais ils commencent à dire des mystères à Dieu. He starts saying ils commencent à dire des choses mystérieuses à Dieu. To God. Je viens encourager quelqu'un. I come to change someone de mode quand tu dois changer change de mode. Switch quand tu dois switcher. When you have to do quand la chose est spirituelle, when the ne reste pas dans la chair don't et tu pleures flesh, et tu m'amènes des choses, tu murmures and you are et tu te plains. Mais change de mode. Change. Ton esprit va changer. Alléluia. L'atmosphère spirituelle va changer autour de toi. L'environnement spirituel va changer. Tu vas voir qu'il y a des choses qui vont se mettre en marche. Oh, je dis à quelqu'un, cela est possible. Je dis à quelqu'un, cela est possible. Cela est possible. Et quand tu rentres dans un temps de prière, dans une saison de prière, tu n'es plus la même personne que tu étais quand tu n'étais pas dans cette saison de prière. La Bible dit, il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Il y a un temps pour chaque chose. Quand le temps de quelque chose arrive, adapte-toi, entre. Whatever happened, adapt yourself. Incarne ce que tu dois incarner pour faire face.
Sweet to any mode that will be suitable to the situation. Qui a dit amen? Somebody say amen. Ton amen est froid. Qui a dit Your un véritable amen? Amen is not strong. Alléluia. Amen. Cela est très important. It's very important. Tu peux changer. You dis à ton voisin, switch. Tu es aussi un homme spirituel. Tell somebody you are also. Dis à ton voisin, dis-le avec assurance. You are aussi un homme spirituel. Being. L'esprit est bien disposé. The spirit is available. La chair est faible. But the body is weak. Cette semaine qui arrive, this coming week, que ta chair soit davantage affaiblie. Let your body be subdued. Ta chair voudra manger, ne lui donne pas à manger. Your body would like to eat, don't give it to him. Alléluia. Amen. Ta chair voudra que tu passes du temps. Your body will Vous avez un temps de jeûne et prière. When we are praying and selon fasting, Esaïe 58, according to Isaiah c'est où tu te 58, détournes de tes penchants. Is to turn from your passions. Tu laisses tomber tout ce que tu aimes bien faire. You put aside tous tes désirs. Everything that you love doing. C'est là que tu laisses tomber la bonne bouffe. You leave aside good food that you used to eat. Tu aimes la télévision, tu laisses tomber. You like TV, you put it aside. Tu aimes le bon vin, tu as you deux like semaines, tu laisses tomber. Wine, please, 2 weeks, put même le mauvais aside. Vin, même, tu laisses Even tomber. The evil wine, put it aside. Pour te concentrer. To focus. Ne laisse rien te distraire. Don't allow anything to distract you. Écoutez-moi. Listen to me. Le jeûne a des principes que nous devons comprendre. Fasting has principles that La we Bible need to dit, understand. The Bible says, quand un homme et une femme qui sont mariés, when a man and a woman are married, quand ils sont ensemble, when they are together, ils ne doivent jamais se séparer. They must not depart ils ne doivent from jamais each se other. Refuser l'un à l'autre. They must never receive, refuse themselves to one another. Je vais vous expliquer quelque chose. I would like to explain something. D'accord? Ah non, ne me touche pas, tu es marié, pourquoi? Don't touch me. But then you are married for what? Est-ce que je suis en train d'aider certaines personnes? Is God helping somebody? Mais c'est biblique, c'est pas pour t'aider. It's que from je... the Bible. C'est la Bible. It's in the Bible. Je veux ressortir un point. I want to get to a point. Ils ne doivent pas se priver l'un de l'autre. They shouldn't deprive. Ils ne doivent pas se refuser l'un à l'autre. Mutually. Sauf. Except. Si c'est d'un commun accord. Together. Pour la prière. One accord. Ou pour le they jeûne, on tombe d'accord nous deux qu'on ne se touche pas parce qu'on s'en va chercher la face de Dieu. Another, on s'en va prier. Dieu dit, en ce moment-là, lui-même, il approuve, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand ce n'est pas pour jeûner, quand ce n'est pas pour prier, Dieu n'approuve pas ça. Prayer, Dieu condamne. C'est pour cela qu'il dit que, excepté pour ce cas-là, That's why he said parce que pendant qu'on jeûne, so as we are on se prive de ça. We c'est en cela que Dieu voit l'importance de notre prière pour nous visiter, That's pour nous exaucer. God c'est là que Dieu voit prayer. La valeur he sees the value de ton jeûne. Of your Hello? Fasting. Qui n'a pas compris? Who didn't understand? Tu as compris? Did you understand? Il dit c'est excepté pour ça. He said, except for that. Vous êtes tombé d'accord. You agree. Oui. Yes. Je me retire, je m'en vais jeûner, prier, I'm going chercher to la face de Dieu, et puis je reviens. And I will come back. Si Madame dit non, mais moi je fais comment? If Madame say, how do you want me to manage? Tu l'attends, faut la convaincre. Convince her. Bois de l'eau glacée. Drink cold water. Ça aussi tu sais pas dire. Elle est déjà perturbée, ça va aller. Bois de l'eau glacée. Drink cold water. Médite la parole de Dieu. Meditate the word of God. D'ici que j'arrive. I will be back soon. On va reprendre les choses. And then we'll Hello. Proceed. Pour montrer la valeur to show the value et l'importance and the importance du fait de jeûner of fasting et de prier. And prayer. La chair n'aime pas ça. The body Quand le temps de jeûne arrive, c'est maintenant les désirs même qui étaient morts. When that particular season les désirs qui ont disparu, comes, c'est là que cela revient. All the old Je prie que Dieu t'épargne de cela, que cela ne revienne pas. I pray that Je prie que Dieu te donne la force, que même si cela revient, cette fois-ci, tu ne succombes pas. So that you won't fall. C'est pendant le temps de jeûne que ton odorat se développe. C'est là que même en voiture, tu sens l'odeur de ce corps. You are driving around and you l'odeur de la banane braisée. The odor of smoke plantain. C'est là que tu sens l'odeur. That's when la banane est fraîche. That the plantain is fresh. Tu
Tu passes là tous les jours, ça te dit rien. Mais comme on a commencé le temps de jeûne, la chair n'aime pas ça. Quelqu'un va jusqu'à sentir le piment de la loco. Il dit, mais son piment de la loco, ça sent bon, frère. C'est la chair. Quelqu'un dit, aide-moi, Seigneur. Somebody say, help me, Lord. Est-ce que j'ai entendu? Aide-moi. Help me, Lord. Alléluia. Amen. Donc, que ton esprit soit fortifié. May your spirit be strengthened. Alléluia. Amen. Que ton esprit soit fortifié. May your spirit be strengthened. Pour dominer sur les œuvres de la chair. To have dominion on flesh desire. Trop de chrétiens attendent d'obtenir une capacité surnaturelle pour commencer à prier. All Christians are seeking pour commencer à prier sérieusement et à jeûner. Non. Particular power tu sais ce que pray. Tu dois faire? What you have to do is, tu dois te discipliner. You need to discipline yourself. C'est une volonté it's a will. Personnelle. A personal will. C'est une décision que tu prends. It's a decision that you take. Les anglophones disent it is intentional. Les anglophones say that c'est intentionnel. Ça dit c'est volontairement. You take Dieu decision. Me demande de faire. God je prends la décision de faire. Ce n'est pas que Dieu te demande de faire. Ah Seigneur, si c'est toi, fais ce que vraiment mon corps accepte. And then somebody will say, ah, Lord, if fais ce que je n'ai pas fait. Then allow, help la Bible dit, body not to l'Esprit a conduit Jésus the Spirit knew dans le Jesus. Désert pour jeûner et prier. He led Jesus 40 jours, 40 nuits. The wilderness to fast and pray il for 40 il eut faim. Tu auras faim. Comment you tu jeûnes, tu ne veux pas hungry. Avoir faim. Tu auras faim. You will mais be c'est hungry. Ta part de sacrifice. But that's your portion of pour assujettir la chair. Pour plaire à Dieu. To please et non plaire à ta chair. And not to please your flesh. Et non plaire aux autres. Or please others. Il y en a quand tu jeûnes, ils maigrissent vite. There are some people when they fast, they shrink easily. Il n'y a jamais de règle sans exception. There is no exception. Moi, j'ai une de mes filles, je connais quand elle jeûne. Elle met dans sa tête qu'elle va jeûner. Elle ne mange pas. Même maigrit jamais. I know a particular sister, no matter the long fast, elle prenait du poids. Je lui ai dit, mais commence un régime. Slim. Elle dit, papa, moi, c'est ma nature. Si je commence un régime tout de suite, je vais commencer à grossir. If I start, il faut que a slimming j'ai course, un problème. Et quand le problème me fait trop réfléchir, je maigris. I once slim down. Ça veut dire quoi? The opposite. Ça veut just dire quoi? To say, faut pas attendre don't wait que les choses se fassent d'elles-mêmes. That things happen by chance. Sois responsable. Be responsible. Sois un chrétien responsable. Be a responsible c'est pour cela que le Seigneur dit, allez, that's why fais the de toutes les nations des disciples, and make of all nations disciples, des hommes et des femmes qui sont disciplinés, women and men of discipline, selon les principes du royaume des cieux. According to the il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église many people come to qui church, sont de bons religieux they are good religious mais qui ne sont people, pas encore des disciples du Seigneur Jésus. But they are not yet il est temps de devenir disciples. It is time for il est temps de devenir des hommes et des femmes qui sont disciplinés. Disciples of si tu n'es pas discipliné, if you are not disciplined, tu ne sais pas marcher selon des principes. You don't know how to walk tu n'es pas un homme ou une femme de principes. You are not a man or a woman tu seras toujours vulnérable. You will always les gens vont t'influencer. Will tu viens à l'église, on te fait quelque chose net, tu es découragé. You come to church, they do anything je viens to plus. You, you are discouraged. Je fais plus ce que j'ai à faire. I won't do this, I won't tu n'es pas this. Discipliné. You are not quelqu'un disciplined. Qui est discipliné. Somebody il y a une expression qui dit il est dur au mal. He is difficult tout ce qu'on to, fait ne lui dit rien. Il a décidé de suivre Jésus. He is difficult il a décidé de prier. He has decided rien to pray, ne peut te distraire. And nothing can distract him. Comme j'ai décidé de suivre Jésus, as I've decided advienne to que pourra. No, je ne regarderai plus en arrière. Come je ne me retournerai day, plus. I shall parce que je sais que la back, marche avec lui n'est pas facile. Because I know walking mais je veux atteindre un but. Easy, c'est le I ciel. Want to get, quel to est le but que tu veux atteindre? Tu dois payer le prix. You have to pay the price. Et le prix qu'on paye, and the price that le jeûne en pay, fait partie. Parce que le jeûne n'est pas facile. Même pour celui easy. Qui est habitué au jeûne, even for the le jeûne n'est pas facile. To eat, si tu veux regarder easy. À ta chair, if you want to look at your flesh, tu ne vas jamais plaire à Dieu. You will never please God. Il y a des jours, la chair va dire, je veux devenir jaune. There are days, rends-moi jaune. Say, I want to become, il y a des jours, la chair va te dire, je veux devenir bleu. Yellow, rends-moi or blue. Bleu. Make me blue. Tu seras préoccupé à ça. Dieu sera en train that. De te parler, tu n'entendras pas. You, je prie que dans cette hear. Saison, ta chair soit season, plus que jamais affaiblie au nom de Jésus. Be subdued.
que les désirs de ta chair soient plus que jamais neutralisés. Et que ton esprit soit élevé au-dedans de toi-même. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je veux dire, il y a beaucoup de chrétiens ici, vous n'avez pas besoin de délivrance. Many Christians here, you don't need deliverance. Il y en a qui ont besoin de délivrance. Some need deliverance. Ils sont sous l'influence, sous l'influence démoniaque. Demonic influence. Mais il y a une autre catégorie qui n'a pas besoin de délivrance. But there is another category qui a besoin d'être discipliné. Tu as besoin de discipline. Ça va changer ta vie. And it will change. Tu n'as pas appris ce côté de discipline là. Et tu n'aimes pas la discipline là. Et quand ça vient, ça te fatigue. Tu dis, on ne t'aime pas. On s'oppose à toi. When people, mais si tu passes le processus, if you go through the process, tu seras une personne transformée. You will be transformed. La délivrance de quelqu'un ici, c'est la discipline. The deliverance of someone here is discipline. Que Dieu te fasse la grâce d'être discipliné au nom de Jésus. You to be disciplined. L'apôtre Paul dit, Apostle Paul mon said, corps, my body, je le tiens assujetti. I subdue it. Si vous ne dominez pas votre chair, if you don't subdue your flesh, toute votre vie terrestre, vous resterez des chrétiens charnels. All your life, you will be a Et carnal je peux vous Christian. Dire, il y a And beaucoup de choses du royaume que vous n'allez pas expérimenter. Mais un homme spirituel, dans l'esprit, là, il n'y a pas de limite. Spirit, il n'y a pas de no barrière. Limit, on navigue. You navigate. Ici, là, on roule, on marche, on coupe. Mais là-bas, on navigue. In the heavenly là où il y a la navigation, il n'y a pas de limite. There is no limit. La navigation, c'est no limit. When you are navigating, alléluia. No limit. Tu ne peux pas restreindre un esprit. You cannot un esprit peut rentrer même ici, dans cette salle, sans passer par la porte. You cannot restrain a spirit. Je prie que nous soyons de véritables hommes et femmes spirituels. Alléluia. Véritables hommes et femmes de l'esprit, alléluia. Que nous soyons capables d'assujettir la chair. May we be able to subdue the flesh. Amen. Amen. Ok. Troisième point. Dieu te donnera la force de prier. God will give you the strength to pray. Mais ne priera pas à ta place. But he won't pray on in your shoe. Wow. Dieu te donnera la force de prier, God mais il priera pas à ta place. Strength to pray, but he won't pray for you. Prie que cette semaine Dieu te donne cette force. Pray that this week the Lord. Parce que c'est toi qui dois prier. Strength. Dieu attend ta prière pour exaucer. You have to pray for en toutes choses. In all things. Il y a la part de l'homme. There is a portion that is. Et à la part de Dieu. And God has his own. Fais ta part. Do what you have to do. Élève la voix par la prière. Lift up your la part de in Dieu, prayer. C'est d'exaucer et de and répondre à ta God's prière. Duty is et to Dieu answer, fera and sa he part. Will surely answer. Si y a un homme pour prier, disait un homme de Dieu. A man of God used to say that if there is a man to pray, il y a aussi un Dieu souverain pour exaucer la prière de celui qui prie. Nous connaissons tous Jérémie 33, 3. We all know Jeremiah 3. Invoque-moi. Verse 3. Et je te répondrai. Call on me and I shall answer. Tais-toi. Close your mouth. Et je n'aurai rien à faire pour toi. I won't have anything to mais élève la voix you. Et parle-moi. But lift up your voice tu verras qu'il y a un me. Dieu qui and gouverne cet univers God et qui répond. This world. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur dit, invoque-moi, c'est ta part. So when the Lord says that call on me is your portion. Veillez et priez, c'est ta part. Watch and pray is your portion. Demande, cherche, frappe, ask, c'est ta part. Knock is your portion. Lui répondra. And he il te permettra de trouver et il ouvrira. To find. Qui a dit amen? And the door to be open. Pour cette partie, je termine avec Romains 8, 26. Romans chapter 8, verse 6. Amen. Amen. Vas-y. Romains 8, 26 que nous connaissons tous. We all know that scripture. De même aussi. De même aussi. L'esprit nous aide dans notre faiblesse. L'esprit fait quoi? Nous aide. Il nous aide dans notre faiblesse. The spirit also help us. Dans notre négligence. Dans notre perte de force et de vitesse, oui. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient oui. De demander dans nos prières. Oui. Mais l'Esprit lui-même oui. Intercède par des soupirs inexprimables. Qui a dit amen? For we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Qui a dit amen? Somebody say amen.
On dit quoi? L'Esprit nous aide. It is said that the Spirit helps. Que le Saint-Esprit t'aide à partir d'aujourd'hui. Let the Spirit of God help devenir un homme de prière. Today to pray. Il nous aide en faisant quoi? May he help en intercédant en nous, afin que notre intercession sorte. Through intercession. Et que notre intercession aille vers Dieu. And may our prayers go to God. Qui a dit amen? Somebody say amen. Que le Saint-Esprit aide quelqu'un. May alléluia. The Holy Spirit help someone. Ce sont nos prières. C'est nous qui prions. Et l'Esprit nous aide à faire des prières conformes à la volonté de Dieu. En nous prêtant ses mots. En nous inspirant. Mais il ne prend pas notre place. Touche ton voisin, dis c'est à toi de prier. Dis c'est à toi de prier. You have to pray. C'est à toi de prier. You have to pray. Dieu attend ta prière. God is expecting your prayer. Au nom de Jésus, in the name of qui Jesus, a dit amen, somebody say amen. Et qui a acclamé le Seigneur. And clap for the Lord. Je peux te donner ce dernier point qui va te bénir. I'm going to give you the last point I believe is going. Le quatrième point dit. Une prière qui ne touche pas le cœur de celui qui prie ne peut toucher le cœur de Dieu. Any prayer that does not touch the heart of the one praying will never touch the heart of God. Good. Well said. Toi-même ta prière. You yourself your prayer. Ça ne te touche pas. It doesn't touch you. Rassure-toi que cette prière là ne touche pas Dieu. Be sure that that prayer cannot touch. Parce que God. Dieu écoute le cri du cœur. Because God listens to the le cœur qui soupire the heart, après lui. The heart that longing after God. Amen. Amen. Dieu cherche. God is seeking. Il regarde à ton cœur. Est-ce que ce cœur est sincère? Est-ce que ce cœur est vrai? True? Est-ce que ce cœur meurtrit? Are you sincere? On dit quoi? Il entend le cri de malheureux. He hears the cry of the poor. C'est-à-dire tu souffres tellement que tu te sens malheureux. You suffer so much. Dieu écoute et Dieu répond God à cela. God is listening. Mais quand tu pries, pour toi c'est la routine. But if you c'est pray machinal. As a routine, tu n'es pas concentré. You are not concentrated. Tu ne crois pas à ce que tu fais. Envie you de prier. On dit ça le temps de jeûner prier. Tu viens et puis tu lances les prières. You come and ce you n'est pas la même chose. Prayers. It's not the avec same. Quelqu'un qui comme Anne. As someone son like cœur meurt. Anna. With a broken heart. Je n'ai pas d'enfant. I don't have a child. Et j'ai besoin d'un enfant. And I need a child. Et je suis arrivé à un point où j'ai besoin d'un enfant pour le donner à Dieu. And I need a child that I will give back to God. Parce que je vois que Dieu, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. And when God sees that je veux donner un prophète à Dieu. But the workers are few, and he sees that I need a prophet. Je veux donner un prophète à Dieu. I want, and the je veux donner un sacrificateur à Dieu. Says that she wants to give a priest. La Bible dit que a prophet to God. Élie, le sacrificateur, l'a vu. The Bible says that il pensait qu'elle était ivre. Saw her, parce qu'elle était entièrement dans cette prière-là. The way ce sujet-là l'avait même transformé. The prayer has transformed her. On pouvait voir littéralement sur elle. You could see on her face. Qu'elle traversait quelque chose, qu'elle voulait que Dieu intervienne. That she was going through something. Qu'est-ce que Dieu a fait? And she wanted God to intervene. Je lui ai répondu. What happened? God answered her prayer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le psaume 37 verset 4. Il te donnera ce que ton cœur, ce qui touche ton cœur, ce que ton cœur désire. He will give you the desire of your heart. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David dit, je ne donnerai pas à Dieu David said, I will not ce qui give ne me to touche God pas. Anything that does not touch ce qui heart. Ne me coûte pas. Anything that does not cost me. Ce qui te coûte, coûte what aussi à Dieu. You, ce qui te God. Touche, touche Dieu. What touches you, touches God. La prière que tu prends au sérieux, que tu fais de tout ton cœur, Dieu est obligé de répondre. God is parce que ça va tout droit vers le cœur de Dieu. Que ta prière soit pleine de conviction. Que les prières que tu fais ne soient pas du bout des lèvres. Let the prayers that you make not mais que ce soit les prières qui viennent du fond du cœur, qui a dit amen. Qui viennent du fond du cœur, qui a dit amen. Et le Seigneur te répondra. Lamentation 2:19. Nous sommes en train de terminer. Lamentation 2:19.
Il dit, répands ton cœur, vas-y. Lève-toi. Oui. Pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Oui. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Pour out your heart in the presence of God. Ne viens pas comme ça. The water. Répands ton cœur. Don't come just. Viens avec un objectif. Come with a que Dieu sente que ton cœur est lourd. May ton cœur pèse. That your heart is heavy. Par ton attitude, touche le cœur de Dieu. Through your attitude, touch the heart of God. Une vraie prière. A true prayer naît dans le cœur. Is born in the heart. Et non first, du bout des lèvres. And not from the mouth. Vraie prière naît dans le cœur. A true prayer ça vient du cœur. Is comes from the heart. Alléluia. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Of your, heart that your mouth la prière, c'est un cœur qu'on déverse devant Dieu par une bouche. Is the heart that we pour before, we pour out before the par une bouche qui parle. Through a speaking mouth. Alléluia. Amen. Quand les paroles qui sortent de ta bouche sont conformes à ce qui vient de ton cœur, automatiquement Dieu est touché. Are in conformity with what is in your heart. Alléluia. God answers. Et Dieu agit. God moves. Voilà ces deux versets-là. Et puis, nous partons. Psaume 84, verset 3. Psalm 84. Je vais lire ça rapidement. Psaume 84, verset 3. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. My heart and my flesh are speaking. Mon cœur et ma chair. My soul. And my body pousse des cris vers le Dieu vivant. Are longing to God. Wow. Que Dieu nous aide. May God help us. Un certain niveau de la prière peut se passer des mots. At a certain point c'est ton cœur qui gémit. You can't speak words anymore. It's c'est même ta chair qui crie à Dieu, qui crie à l'Éternel. It's your heart que Dieu nous aide à atteindre cette dimension au nom de Jésus. May God help us to get to that point. Alléluia. Libro shabada bada bada kara. Que Dieu nous aide. May God help us. Amen. Amen. Que le cri de ton cœur soit entendu aujourd'hui. May the cry of your heart be heard by God. Que le cri de ton cœur soit entendu aujourd'hui. May the cry of your heart. Que le cri de ton cœur soit entendu par Dieu. May it be heard by God. Et que Dieu te réponde favorablement. And may God answer you. Baisse la tête en prière. Close your mouth, your eyes and bow down in prayer. Ah, je vais chanter un chant, je ne veux pas commencer et puis je ne veux pas terminer. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Reçois favorablement, c'est un vieux chant, les paroles de mon cœur, de ma bouche, et les sentiments de mon cœur. Ah, oh Seigneur. Baisse la tête en prière. Tiens-toi debout même. Tiens-toi debout. Lève les mains vers le ciel. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Lève les mains, tout le monde dit, reçois favorablement. Reçois favorable les paroles de ma bouche. Et les sentiments de mon cœur. Oh, pour la dernière fois. Thank you.
grande saison de prière qui arrive. It's a great season of prayer that is coming. Et la CAN finit aujourd'hui. And we are finishing with the cup, the African cup today. La Coupe d'Afrique des Nations finit aujourd'hui. We are closing. Nous today. Savons que And we know ce sont that plusieurs nations qui sont entrées ici. Many nations who came here. Chacun est venu avec son canari. Everybody came with his pot. Chacun est venu avec son amulette. Came with his. Chacun est venu avec son babaji, comme on dit ici, son médicament. Chacun est venu avec son idole. With his idol. Il y a des esprits qui ne sont pas dans cette région-là. There are some spirits that are not. Nous avons l'Afrique du Nord, nous avons l'Afrique du Sud, nous avons l'Afrique de l'Est, nous avons l'Afrique de l'Ouest, nous avons l'Afrique du Centre. Chacun a l'esprit qu'il adore, everybody selon nos coutumes et traditions. Mais chacun a envoyé ça ici parce que chacun veut gagner. Donc sur le sol ivoirien, des gens ont appelé des esprits qui ont voyagé. Parce que quand tu parles, quand tu fais des incantations, ça peut faire apparaître une certaine sorte d'esprit. Ça peut les faire apparaître, ça peut les faire venir. Viens nous faire gagner. Oh, ici, c'est Jésus qui règne. Je pensais que ton amen allait être trois fois plus fort que ça. Alléluia. Donc moi j'ai vu dans tous les matchs là que vraiment beaucoup d'esprits ont été neutralisés. Parce qu'il y a des équipes qui ont gagné d'autres équipes, on ne peut pas expliquer. Il y a des gens qui gagnent 2-0. Vas-y. There are some teams that want to. À 5 minutes de la fin des arrêts de jeu, ils retirent 2 buts. 2-0 and they catch up. Frère, le jour que l'Afrique va comprendre que the médicaments, Africa will fétiche, joue pas ballon, and chance, on va aller loin. Don't play football. Africa will Parce go que far. Si les médicaments jouaient ballon, le Because Bénin devait être ici. If that was the case, le Bénin. That country will have been here. Il devait être ici. Et puis actuellement, où on parle aujourd'hui, là, ils sont à la finale. Même qualification, ils n'ont pas eu. They couldn't even qualify to come here. Ils ont attaché, ils ont détaché, ils ont perdu. Même qualification. They couldn't even Ça veut dire que l'Haïti, Haïti devait être à la Coupe du Monde. Mais moi, je n'ai jamais entendu ça. Hein. Ils ont juste pas joué au mondial. Je ne connais pas l'actualité, donc il faut que je demande. I don't know, so I need to Mais les gamins ne jouent pas ballon, donc ne vous fatiguez pas. Doesn't play football. Dieu fait grâce. Demandons la grâce de Dieu et que la grâce nous accompagne. Mais les gens sont venus avec leur babaji là pour rien. They came with their chants for nothing. Polluer l'atmosphère. Polluted the atmosphere. Que le sang de Jésus soit Let répandu ce matin. Que le sang away. De Jésus soit répandu dans l'atmosphère ivoirienne. Pour sanctifier l'atmosphère au nom de Jésus. Que l'atmosphère soit sanctifiée au nom de Jésus. Quand ils vont partir, When they will leave, et tous ceux qui sont déjà partis, and those who have left already, que leurs démons les accompagnent. Nous les shootons au nom de Jésus qui les accompagne. Qui shoot avec moi? Nous les chassons au nom de Jésus qu'ils partent. Throw them away in Jesus' name. Il y a un jeune blogueur là. Lui, il est Camerounais. Il dit Cameroun va gagner, Cameroun va gagner, Cameroun va gagner, Cameroun. Quand Cameroun a perdu, il dit Cameroun, dehors, je suis ivoirien. Donc nous voulons dire à tout mauvais esprit to every evil spirit qui est venu ici that came here and saw that the country La Côte d'Ivoire est comme ça. Is like this. Et puis tous ces millénaires-là, moi je suis en mission and dans tel pays. I was Au nom de Jésus, esprit mauvais, dehors! Evil spirit out, you are not staying. Regarde comment tu fais. You are not staying in this country. La Bible dit tu vas ordonner. Quand tu es fâché, you shall et puis tu dis à quelqu'un, sors de ma maison. C'est comme ça tu parles. Le démon là-bas te regarde pour voir est-ce que tu es convaincu de ce que tu dis. The demon will even watch you and see if you are convinced of what Toi, tu viens dire à quelqu'un qui dérange ta maison, sors. J'ai dit de sortir. Sors. Somebody Il va te malmener. Casting away a demon. Faut l'effrayer. Oh, please go out, go out. Alléluia. En mon nom. In my name. Vous chasserez les démons. Thou shalt cast out Quelqu'un demons. Crie avec moi au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous chassons tout esprit We mauvais. Cast out every evil spirit. De notre territoire. From our territory. Dans le nom
nom de Jésus, nous libérons l'atmosphère spirituelle, l'atmosphère terrestre, l'atmosphère marine de notre pays par le sang de Jésus. Et dans le nom de Jésus, nous les chassons et nous disons dehors. On dit bien dehors. Au nom de Dieu, attend ta prière. Il dit un chassera mille. Dieu ne les chasse plus. Il nous a donné le mandat, le pouvoir de les chasser. Et puis deux chasseront 10 000. Frère, vous êtes groupe des nations. Je n'ai jamais vu un pays prier autant pour sa nation. I've never seen a country praying for his country. Je ne sais pas si c'est Dieu qui nous a fait grâce ou bien si c'est quoi. Mais la prière marche partout. But prayer works everywhere. À tous les niveaux. At every level. Ne joue pas avec la prière. Don't pray. Ne laisse pas le diable te séduire. Don't play around. Alléluia. Nous voulons prier. We want to pray. Seigneur, donne-moi la force. Lord, give me strength. Pour entrer demain dans cette saison de prière. To enter this new season of prayer. Et que ma prière soit efficace. And may my prayer be efficient. Pour libérer notre nation. To release our nation. Alléluia. Amen. Mais moi, dans le secret, hein, in the secret, ça, je ne dis pas ça à haute voix. J'espère que vous, actuellement, vous ne m'entendez plus, non? Do you hear me? Seigneur, fais gagner la Côte d'Ivoire, mon Dieu. Vous avez entendu? Ah, c'est pas à vous, je demande. C'est pas à vous, je parle à Dieu. J'ai oublié qu'il y a des sujets, on ne touche pas ici. Vous êtes réveillés comme ça. Alléluia. Amen. Seigneur, donne-nous la force. Lève tes deux mains, dis Seigneur. Fais de moi un homme, une femme de prière. Seigneur, donne-moi la capacité. Je prends la décision. Je prends la responsabilité de prier pour ma nation, de libérer ma nation, de prier pour mon église, prier pour mon pasteur, mon berger. Alléluia. Pour prier pour que ta grâce abonde. Répète après moi, pour prier pour que ta grâce abonde, ta puissance abonde, et qu'il y ait la sécurité et ta protection. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche et commence à prier. Ouvre la bouche et commence à prier. Demande la force. 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 Dis Seigneur, donne-moi la force. La force spirituelle. La force mentale. La force psychologique. La force physique. Donne-moi la force. Je t'invoque, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Pour changer l'atmosphère spirituelle. L'atmosphère physique. L'environnement spirituel. L'environnement physique. De ma nation. De l'église. Donne-moi la force de crier à toi pour que tu puisses répondre. Après cette canne, libère notre nation, unifie la nation, solidifie la nation, que l'unité, que la fraternité, que la prospérité soit notre partage, que la stabilité, que la paix soit notre partage. Nous voulons entrer dans une nouvelle saison. Que la saison dans laquelle nous rentrons, du 12 au 25 février, change la physionomie du pays. Change la physionomie de l'église en Côte d'Ivoire. Que cela change nos vies. Que cela change nos vies. Lève la main avec moi au nom de Jésus.
Dis, je reçois la force. Je reçois la force. Je reçois l'énergie spirituelle. Je reçois l'énergie spirituelle dont j'ai besoin. Dont j'ai besoin. Pour ce temps de jeûne et prière. Pour ce temps de jeûne et prière. Dis, mon corps sera affaibli. Mon corps sera affaibli. Mais mon esprit sera fort. Mais mon esprit sera fort. Mon âme sera fortifiée. Mon âme sera fortifiée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois la force du Saint-Esprit. Je reçois la force du Je reçois l'énergie du Saint-Esprit. Je reçois l'énergie du Saint-Esprit. Dis pendant. Pendant. Et après ce temps de jeûne. Et après ce temps de jeûne. Oh Dieu. Oh God. Je refuse. I refuse. Que ma vie reste la même. Je refuse que la vie de l'Église reste la même. Dis, oh Dieu, je refuse que la vie de la nation reste la même. Que la nation change en bien. Que la nation évolue. S'améliore. Tant sur le plan spirituel que sur le plan économique. Social, culturel et physique. Au nom de Jésus, nous crions à toi pour la nation. Que la physionomie de l'Église change. Tant sur le plan spirituel, physique, sur le plan financier, sur le plan numérique et de croissance, hein, et sur le plan de la transformation et du renouvellement de l'intelligence, crie avec autorité qu'il y ait un changement, qu'il y ait une transformation. Au nom de... Je veux t'entendre prononcer le nom de Jésus. Au nom de... Je veux t'entendre déclarer le nom de Jésus. Au nom de... Au nom puissant de... Amen. Amen. Lève la main et dis, je suis fort. Je suis fort. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Ta parole déclare. Ta parole déclare. Que le faible dise. Que le faible dise. Je suis fort. Je suis fort. Que le pauvre dise. Que le pauvre dise. Je suis riche. Je suis riche. Donc je déclare que je ne suis pas faible. Je suis un guerrier du royaume des cieux. Un soldat du Seigneur. Je suis un victorieux. Un combattant de l'armée de l'Éternel. Je suis fort pour jeûner. Je suis fort pour prier. Et par moi. Et par moi, ma nation sera libérée. Ma nation sera libérée. Ma nation sera bénie. Ma nation sera et restaurée. Et restaurée. Et au travers de moi, et au travers de moi, Dieu va restaurer mon église. Dieu va restaurer mon église. Dieu va multiplier mon église. Bénis mon église. Au nom de Jésus. Au travers de moi, ma famille, ma maison, ma génération sera impactée. Le joug sera brisé du dessus de son épaule. Sera libéré au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit ainsi soit-il au nom de Jésus. Dis à partir de demain, nous peuple de Dieu, nous déclarons la guerre au règne spirituel, aux principautés, aux dominations, aux esprits méchants dans les lieux célestes, aux démons, aux agents du diable. Nous déclarons qu'ils sont vaincus et nous vous chassons de notre territoire au nom de Jésus et que l'Esprit de l'Éternel règne. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Dis, j'annonce. Tiens la main de quelqu'un. Dis, nous annonçons un nouvel air dans l'église au nom de Jésus. On dit bien, nous annonçons une nouvelle saison, un nouvel air, et dans l'église, et dans la nation, et dans notre génération. Dis trois fois au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis amen et acclame l'Éternel. Tu es béni. Assieds-toi dans la présence de Dieu. En ce temps de jeûne, le Seigneur va ôter des fardeaux. Le Seigneur va enlever ton fardeau. Le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va briser des chaînes.
Il t'amènera à rattraper des retards. And you will catch up time. Alléluia. Amen. Il brisera les limites devant toi. Break limits before et après you. Ce temps-là, and after that time, il y aura un témoignage dans ta bouche. You will have il y aura un nouveau cantique dans ta bouche. A new song. Il y aura des possessions dans tes mains. Possessions in your hands. Tu seras transformé et béni. You shall be transformed. Dis, je le crois. I believe. Je le saisis. I seize it. Et je célèbre cela par mon acclamation au nom de Jésus. Amen. Prends ton offrande. Take your offering. Prends ce matin une bonne offrande. This morning, take a good offering. Double ton offrande pour bénir le cœur de Dieu. Your offering to bless pour toucher le cœur de Dieu. To touch the heart si tu as été béni par la parole if de Dieu, bénis aussi God, la maison de Dieu. Bless the house of God au nom de Jésus. Well. In the name of Amen. Jesus. Lève ton offrande. Lift up your offering. Maman Gisèle qui va chanter tout à l'heure va prier pour les offrandes. Maman Gisèle is going to pray for the offerings. Présente ton offrande. Present maman. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes de servir dans ta maison. Père, nous t'apportons nos offrandes. Yes. Nous prions que tu les bénisses. Seigneur, nous prions que ta grâce et ta faveur ne s'éloignent jamais de nous. Et que Seigneur, il y ait toujours la nourriture dans ta maison. Yes. Au nom de Jésus. Qui a dit Amen fort? Le Seigneur, la Bible nous dit, aime celui qui donne avec joie et celui qui donne abondamment. Souris, donne une expression de joie et viens en dansant et apporte ton offrande à l'Éternel. Venez par derrière, groupe musical. Saint,